Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, hop, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir, comme d'habitude, excusez-moi pour le petit léger retard, pour du Sims 4, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé pour un premier jour de reprise, après ma longue maladie, si je puis dire, de mon horrible bronchite de ce week-end. Mais en tout cas, ça va bien. Le boulot, ça a été... J'ai couru partout, globalement. Mais sûr, ça va. Ça va, ça va, ça va. Du coup, bah, bonsoir Leps, bonsoir Athanaïs. J'espère que vous allez... Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Je viens à l'instant de finir de manger. Si je suis un petit peu rouge, c'est normal. Dans le sens où, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le constater que j'ai cuisiné aujourd'hui. J'ai reçu mes repas que j'ai commandés chez HelloFresh, pour être exact. Enfin, les recettes et les ingrédients. Et en fait, il y avait écrit sur la recette, c'était du curry rouge. Il disait, attention, c'est très épicé. Sauf que, moi, je suis habitué à manger épicé. Et quand il y a écrit ce genre de choses, c'est que c'est pas réellement épicé. Bah, j'ai mis le sachet entier. Du coup, j'ai un petit peu la bouche en feu et j'ai le nez qui coule depuis tout à l'heure. Mais sinon, c'était très bon. Mais, c'est chaud. Voilà, si vous voulez aller voir mes talents culinaires, vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Tous les soirs, du coup, il y aura un instant recette qui sera chaque soir, puisque je vais cuisiner chaque soir les recettes d'HelloFresh. C'est pas un partenariat, c'est pas un placement de produit. Après, si vous voulez un code promo, je crois que j'en ai un. Mais voilà. Alors, en tout cas, je teste ça en ce moment parce que j'en ai marre de mal manger. Bonsoir Kinjo également, bonsoir Marion. Bon, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Comme je disais, ça va, juste un petit peu chaud. Si j'ai le nez qui coule, je suis désolé, ça va durer quelques secondes. C'est le temps que le piment se calme un petit peu dans mes naseaux. Mais donc voilà. Et du coup, j'ai chaud. J'ai chaud. Du coup, ce soir, comme je vous disais, on est sur du Sims. Et on va continuer la construction de Desperate Housewives, de la maison des Solis. Voilà, il nous reste l'étage à faire, enfin terminer l'étage et terminer le rez-de-chaussée. Globalement, il nous reste à faire la maison. Mais donc voilà, il semble sans trop de blabla. Hop là, voilà. On va passer ici. Je vous mets de la petite musique toute douce comme d'habitude. Alors non, je vais pas mettre ça. Parce que oui, j'ai découvert un nouveau truc. Je sais pas si vous faites la même chose. Alors ça peut être un peu creepy. Où est-ce qu'il est ce chat? Il n'est pas avec moi, c'est bon. J'ai découvert un nouveau truc au travail pour passer mes journées, parce que j'ai le droit à mettre mes écouteurs. J'écoute en ce moment des podcasts. Ça m'occupe pas mal la journée. J'écoute des podcasts sur des tueurs en série. Je trouve ça passionnant. Je trouve que les tueurs en série... Enfin, je sais pas pourquoi, hein, mais je trouve que les podcasts des tueurs en série, c'est super intéressant à écouter. Et coucou Cassiope, coucou Chaton également. Comment allez-vous? Donc voilà ce qu'on avait fait hier, après ce live relativement court finalement sur les Sims, puisque nous avons nous avons voté avec ce questionnaire pendant deux longues heures. Mais sinon voilà, du coup on a juste fait, bon hier soir on a fait ça quoi globalement, littéralement on a fait que ça. J'ai mal à la tête. Ah mince, bah, j'espère que ça ira mieux. Ça va bah écoute, ça va très bien. J'ai mangé, j'ai reçu ma première colle de livraison d'HelloFresh. Voilà, j'avais envie de tester. Il y avait une promo. Et le résultat est sur Instagram, si jamais vous voulez suivre un peu mes talents culinaires. Et c'était très bon. C'était très très bon. Mais alors, en fait, il y a écrit. Alors, du coup, j'ai deux portions par recette. Et alors, je sais pas qui calcule les portions, hein. Parce que moi, je m'étais dit, je vais me faire niquer, parce que je paye pas cher et je vais avoir des portions rikiki. J'ai deux, voire trois, j'ai trois, voire quatre repas devant moi. Genre, HelloFresh, c'est une box mensuelle, enfin box, non, c'est pas mensuelle, c'est une box de semaine, bref, chaque semaine. Et en gros, tu choisis les recettes que tu veux. T'as 5 recettes, enfin jusqu'à 5 recettes, tu peux en avoir plus. Tu choisis 5 recettes par semaine et en fait on vient te livrer la recette et les ingrédients qui vont avec. T'as rien à acheter. Et ça c'est pas une bonne idée d'avoir mis ton doigt, enfin tes doigts dans les yeux alors que tu as touché du curry rouge avant.
Mais voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai voulu tester. C'était en promo. Et c'est vraiment très, très bon. Et c'est très copieux. C'est hebdo, ouais, c'est ça. Niveau rapport qualité-prix, c'est bien. Bah écoute, là, j'ai fait que ma première recette. En vrai, j'ai regardé au niveau des produits. C'est des bons produits. Les légumes ont l'air frais et de qualité. La viande, moi, là, j'avais de la viande, j'avais du poisson et j'avais également des crevettes. C'était relativement good. Franchement, c'était plutôt bon. Il y a les épices, il y a tout. Les seuls trucs qu'il n'y a pas, ça va être genre l'huile d'olive, le sel, le poivre, le sucre. Le vinaigre, tu vois, bon, c'est logique, tout le monde a ça dans sa cuisine. Mais voilà, là il y avait pas mal de trucs. Hein. Moi j'avais du coup, j'avais un sachet de curry rouge, j'avais des graines de haricots fermentés, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'avais du beurre de cacahuète, parce que dans ma recette que j'ai pris en photo, il y avait du beurre de cacahuète également. Il y avait quoi aussi? Il y avait ça, il y avait de la coriandre, il y avait de la carotte, du coup, bah, il y avait des nouilles, forcément. Des crevettes, crevettes grises. Franchement, c'était très très bon. Coucou Malou, pardon, excuse-moi, je t'avais pas vu. Tu écoutes quoi, sur quoi tes podcasts? Sur Spotify. Voilà. Ouais, dès que je sortirai du taf. Ok. J'aime manger. Si t'as trop, tu peux me les envoyer. Ah bah oui, peut-être. Ah, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir dit qu'ils voulaient une part de ce que je voulais, de ce que je mangeais. Ça fait un moment que je veux tester, et là tu me tentes encore plus. Bah en vrai, je vais faire un peu. Bon, hey, je suis mon influenceur. Hein. Si vous voulez un code promo, j'ai un code promo. Alors attention, je fais mon influenceur, j'ai un code promo. C'est pas un partenariat du tout. Hein. C'est juste que j'ai un code promo. Tu vas streamer tes recettes. Alors peut-être pas, ça va être compliqué, j'ai pas le setup pour. Enfin, j'ai pas de caméra ni rien et tout. Mais en vrai, c'est très très bon. Et coucou Alex, comment ça va? Et bonsoir, bonsoir, oui, Dame Doxy qui est partie bouder sur l'autre siège. Ça serait bien. J'irai écouter ça. Quoi? J'arrive pas de questionnaire. Ah bah y a plus de questionnaire. Mais j'ai changé le titre du stream, hein, donc c'est bon. Mais voilà. Alors, bon, ça, du coup, comme je voulais vous montrer, du coup, ici, ça va être la chambre. Ici, on va mettre le lit à baldaquin. Là, on va mettre la cheminée, parce que oui, il y a une cheminée dans la chambre des Solis. Ici, nous avons leur dressing. Et là, nous avons leur salle de bain. Voilà. Ici, nous aurons la chambre probablement de Juanita. Et là, nous aurons la chambre de Celia. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Ici, nous avons le couloir. Il y aura des toilettes. Et ici, une salle de bain. Désolé, en mode cuistot ce soir, mais écoute, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai terminé ma recette tout à l'heure. J'ai terminé la mienne, il y a quoi? Il y a pas si longtemps que ça. Enfin, j'ai terminé littéralement. Pardon, c'est le, j'ai des remontées parce que c'était trop épicé. J'adore manger épicé, mais là, je m'y attendais pas. Et puis, après avoir rien mangé pendant 5 jours presque, et manger d'un coup épicé, mon estomac apprécie pas trop. Et voilà, donc je vous montre également le rez-de-chaussée. Donc ça, c'était le rez-de-chaussée qu'on avait commencé. Donc là, on a l'entrée. Avec ici le salon. Voilà. La salle à manger également. Là, c'est le petit comment dire, couloir. La cuisine qu'on avait juste placé vite fait les éléments. Là, on avait dit qu'on ferait la chambre de la femme de ménage. Ici, je pense qu'on va faire la buanderie, en fait. Et la femme de ménage sera obligée de prendre sa douche à l'étage, voilà. Et coucou Lola, comment vas-tu? Tu as mis du temps pour préparer ton repas? J'ai mis du temps, oui et non. En fait, en vrai, j'ai commencé à quelle heure? J'ai mis 30 minutes. Parce qu'en fait, j'ai mis plus de temps à bien lire la recette. Parce qu'en vrai, en fait, en fait, j'aurais dû lire la recette avant de la commencer. Là, je ne l'ai pas lue. Donc, en fait, à chaque fois, je relisais. Ce qui m'a fait perdre du temps. Mais sinon, non, c'est très rapide. Et là, pour faire la recette qu'il y a en photo, j'ai utilisé une casserole, une râpe. Parce que oui, il y avait du zeste de citron vert. Une râpe et un couteau, une planche à découper. Et une cuillère. Voilà. Donc niveau ustensile, il n'y a pas besoin de grand-chose. Du moins pour la recette que j'ai faite. Eh bien, toi, bah, écoute, ça va. Après un bon repas, je vais très bien.
Et par contre, alors vous allez entendre que je parle un peu du nez. C'est parce que c'était très épicé. En fait, il le disait en plus, hein, que c'était écrit, hein, qu'il fallait faire attention en mettant le curry rouge parce que c'était très épicé. Je me suis dit, oui, enfin très épicé selon vous, selon le baromètre français, si je puis dire, qui au niveau de l'épice est quand même relativement bas. En général, la cuisine française, dès que ça picote un petit peu, on dit que c'est très épicé. Alors que, étant allé au Mexique, quand au Mexique on dit que c'est très épicé, tu perds un morceau de bouche. Genre, ta bouche, elle tombe. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est pas grave, je mets tout. Ça se voit un peu, je crois, sur mon visage. Je sais pas si on voit la couleur. Non, on voit pas tant que ça. Mais j'ai le nez tout rouge. Enfin, moi, en tout cas, je le vois sur mon retour écran. Mais peut-être que vous le voyez pas. Ouais, ça a l'air beau, ce que ça après. Après, ça sent super bon dans tout l'appartement. Parce que, alors, il y avait du lait de coco aussi. Et pourtant, j'aime pas le lait de coco. Mais là, ça va, c'est nickel. Ça, on va l'enlever. Ou le déplacer. Alors ça dépasse, on essaiera de trouver une solution. Ça, on enlève également. Voilà. Ouais. Ça c'est bon. J'ai même pas regardé un peu les appréciations sur mon Insta. On a quand même des gens qui ont voté non, comme quoi. Est-ce que je vais arriver à mon repas? Des gens qui ont voté non. Qui sont ces horribles gens qui ont voté non? Oh, très bien. Je vais lui envoyer un message. Hop. Oui, parce que je sais pas si vous le savez, hein, mais quand une personne répond à un sondage sur Instagram, on voit hein, qui a répondu oui et qui a répondu non. Non, même pas, c'est une de mes amies. Il y a des gens qui ont dit, est-ce que j'ai réussi? Et il y a quand même 17% de personnes qui ont dit non. Qui est cette horrible personne qui a dit non? Des gens que je ne connais pas. D'accord. Eh ben, vous êtes des gens nuls. Voilà. Non, ce sont des gens. Je suis peut-être en vrai, c'est peut-être des followers. Eh ben, écoutez, je ne vous respecte pas. Voilà. Alors, en vrai, j'aurais pu faire un effort sur la présentation, mais je devais partir en live littéralement 15 minutes après. Donc, je me suis dépêché. La prochaine fois, je ferai une présentation un peu plus soignée. Et coucou Alexia, comment ça va? Parce qu'en fait, j'ai en train de dire que bah, j'ai fait sur. J'ai commandé une box HelloFresh. J'ai craqué, j'en avais marre de voir ça partout. Et je me suis dit, allez, on va tenter. Et j'ai tenté ma première recette HelloFresh qui est sur Instagram. Et en fait, j'ai marqué, est-ce que je vais y arriver? Tout le monde a répondu oui, sauf une personne. Et du coup, bah, je peux voir qui a répondu quoi. Donc du coup, bah, je suis allé voir et j'ai vu que non, ce n'était pas toi qui avais répondu non, c'est les gens qui ont cru que c'était toi. Alors, j'ai même pas dit ton nom. Hein. Et en fait, non, c'était Florée. Et après, je vais regarder ma dernière story où je dis, est-ce que j'ai réussi? Les gens ont répondu oui. Et il y a trois personnes qui ont répondu non. Et je vais aller regarder, c'est des gens que je ne connais pas, je pense que ce sont des followers. Enfin, des followers de la chaîne. Du coup, bah, ces gens, eh bah, je les renie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, j'ai vu, mais je n'ai pas répondu. Ah bah bravo. Après, c'était m'arrivé de répondre sans faire exprès à un sondage. Ah, c'est possible, c'est vrai que le nom, il peut être à côté rapidement de la flèche. C'est vrai. Le mauvais, c'est moi qui ai l'image. Non mais, oui, non, mais t'as vu, ils ont une image horrible de toi, hein, les viewers. Hein. C'est pas forcément de ma faute. Hein. Hop. Hop, bon, tiens, vous, comment s'est passée votre journée? Dites-moi tout.
Alors, décoration. Alors, il y a une cheminée dans la maison des Solis. Faut le savoir. Google. Oui, là. Voilà, parfait. Est-ce que j'ai une vue? Ah, parfait. Là, j'ai une superbe vue. C'est nickel. On a une fenêtre. Alors, on a une fenêtre là. Clairement, on en a une là. Par contre, elle est plutôt petite. Elle est comme ça. Et on en a une autre ici. Plutôt dans ce style-là. Le problème, c'est que là, on a le toit. Ah, mais le toit va être décalé, donc en fait, on s'en fout. Donc, c'est pas grave. Ah non, il va pas être décalé, le toit, donc on s'en fout pas. On va retrouver une solution. Ok, donc là, il va y avoir le lit, mais avant, j'ai dit, je cherchais la cheminée. Ah, attendez, excusez-moi, parce qu'on m'envoie plein de messages pour un cadeau en commun. Je suis content que ce soit pas à moi de m'en occuper. Alors. Hop. Et bonsoir Orianox, comment vas-tu? Je lirai après parce que c'est que des pavés. La cheminée, c'est une cheminée. Ouais, c'est une cheminée blanche un peu. Ouais, ça. En vrai, ça fait un peu ça. Oh, en vrai, c'est littéralement ça. C'est ça. C'est littéralement ça ici avec une toiture, une toiture, n'importe quoi, avec une peinture un peu douteuse. Ça va toi, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, Rianox. Hier ça allait aussi très bien, parce que hier j'avais, je sais plus si tu étais là, mais hier j'avais streamé et ça allait bien. Et là ce soir ça va très très bien. Après faut dire que je suis shooté aux médicaments, hein. Donc ça doit aider. Merci Weka pour ton 5e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci, 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 ça fait super plaisir. Parfait, c'est trop trop gentil. Me revoilà parmi les vivants malgré que je suis en isolement. Ah mince, t'es toujours en isolement? Mais je crois que ça fait longtemps que t'as vu le Covid, non? Comment t'as vu tout le monde? Bah écoute, ça va, ça va, ça va, j'ai bien mangé. J'ai encore les mains qui sentent super bon parce que j'ai coupé de la coriandre et du citron vert, et du coup ça sent trop trop bon. Et coucou Tenezel. Pourtant je me suis lavé les mains, mais ça sent toujours. Alors, ils ont un lit à baldaquin en fer. Sauf qu'on n'a pas de lit à baldaquin en fer. On n'a même pas de lit en fer, à part ce truc moche là. Et coucou Julie, comment ça va? Je pense qu'on va mettre celui-là. Je pense qu'on va mettre celui-là. On va sauvegarder. Moi, je sors d'isolement demain. Je reprends le taf. Ah bah oui, bah tu bêtes. Bah écoutez, moi, j'ai repris le taf aujourd'hui et ça s'est très très bien passé. J'aime pas cette musique. À chaque fois, elle passe là. Hop. Au niveau de la table de c'est une table de chevet ronde. Mais je vais pas mettre ça, c'est moche. À la limite, je préfère mettre ça. Non, sauf au confinement. Je suis qu'à contact direct, malheureusement. Mais bon, je ne pourrais pas échapper. Après presque 2 ans d'épidémie. Bah, en vrai, ça dépend, hein. Tu sais, tu peux vivre avec une personne qui a le Covid et de pas l'attraper, hein. Ça peut sembler bizarre, mais il y a des gens, t'as l'impression qu'ils sont clairement immunisés contre le Covid. Moi, le nombre de fois où j'ai été cas contact, et clairement être à côté de la personne qui avait le Covid et tout, et avoir mangé littéralement dans la même assiette puisqu'on a fait un apéro dînatoire, et je n'ai rien eu.
Donc, bon, je pense que le Covid, il veut pas de moi. Je me suis acheté la baguette de Serafina Picri. Deuxième fantastique. Ah, c'est là que le diamant rose. Elle est très sympa, la baguette. Je vais mettre ça. Ici, on a un halogène très moche. Genre celui-là. Pourtant, Leps est négatif alors qu'il vit avec moi et que je suis positif. Bah voilà. C'est le cas, mon chéri a eu le Covid il y a 3 semaines et moi rien. Bah voilà. Qu'est-ce que cette annonce? Waouh! Ah oui! Alors, cette annonce, qu'est-ce que c'est? Le week-end du 11, 12 et 13 février, je serai en stream pour l'association Rêve. Pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, presque jour pour jour, enfin, l'année dernière, il y a au mois de mars, j'avais fait un stream caritatif avec une dizaine de streamers pour l'association Rêve. Et l'association Rêve, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui réalise les rêves des enfants malades hospitalisés. Voilà, donc on sera une vingtaine de streamers. On va streamer pendant ces 3 jours. Et l'intégralité de ce qu'on va cagnoter pour cette association, tout ce qu'on va cagnoter sera intégralement reversé à cette association. Donc voilà, donc il y aura il y aura des donation goals, comme on peut voir par exemple aux Z-Events, etc., pour un petit peu animer les streams. Il y aura différents paliers. Voilà, donc moi j'ai fait plein de paliers, je dois faut que je les soumette d'ailleurs à l'événement. Mais voilà, il y a pas mal de choses, etc., qui vont être faites pendant ce stream, ces streams-là. Je vais streamer pas mal de jeux différents également, donc j'espère vous voir nombreux. Donc c'est le week-end du 11, 12 et 13 février, et on va bien s'amuser, croyez-moi. Et il y a certains paliers de dons qui risquent d'être très très drôles si on les atteint. Donc voilà. Tu en as de Animaux Fantastiques ou juste HP? J'en ai celle de HP de Queenie et celle de Norbert Dragono. C'est les deux seules que j'ai. Et coucou Suika, comment ça va? Et bon appétit. Et coucou Spicy également. Du coup, ça va bien, Spicy, ça va bien, ça va bien. Et bonsoir Margot. On va finir par devoir prendre 2 camions de déménagement pour notre déménagement à ce rythme, monsieur Leps. bah oui. Hein. Et puis surtout, il va leur acheter une villa au bout d'un moment. Alors là, je commence un petit peu à paniquer parce que je commence à trouver que la maison est très moche. Mais oui, what's up, oui, ça veut dire quoi d'off? Bah écoute, what d'off, j'étais malade, mais ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Alors ici, je vois qu'il y a un petit salon posé au KLM. Ça me va la villa, mais il faut compte en banque. Ah oui, c'est ça. Je vais passer pour vous faire un gros coucou. Je dois y aller. Pas de soucis, Waika. Passe une bonne soirée. Repose-toi bien. Et puis, merci beaucoup pour ton resub. Ça faisait super plaisir. Moi, ça va. Je suis en train de jouer à Pokémon. Oh, en parlant Pokémon, aujourd'hui, j'ai reçu un SMS. Genre, le SMS que je voulais recevoir. Amazon m'a expédié mon Pokémon légende Arceus. Du coup, c'est sûr, je le reçois vendredi. Alors, avec un peu de chance, je le reçois demain. Mais disons, je ne pourrais pas le streamer au cas où. Mais je le reçois pour sûr vendredi, je l'ai. Donc, je suis trop content. Donc voilà, donc ça c'était la première bonne nouvelle. La deuxième nouvelle que j'ai aujourd'hui, je voulais même pas. J'aurais dû faire une story. C'est pour ça, j'en fais pas assez. J'ai pas le réflexe encore, mais j'aurais dû. Tout à l'heure, j'ai le livreur à ma Colissimo qui m'appelle et qui me dit: oui, bonjour monsieur, j'ai un colis pour vous, mais il faut les douanes. Je dis: écoutez, les douanes, je les ai déjà payées la semaine dernière, etc. Sur le truc de la poste. Et il me dit: ah bah du coup, j'étais pas au courant. Je suis en mode, bah, je vais arrêter de les payer sur le site de la poste parce que si même vous n'êtes pas au courant, ça sert à rien que je les paye. Et du coup, ça l'a fait rire. Et du coup, il me dit: bah, c'est bon, je le mets dans votre boîte aux lettres. Donc, il le met dans ma boîte aux lettres, il referme.
Vous connaissez l'histoire du colis qui rentre dans la boîte aux lettres parce que le facteur ouvre la grande porte, met le colis, ferme la grande porte, et quand toi, clampin que tu es, ouvre la petite porte, parce que tu peux ouvrir que la petite porte, et ben le colis sort pas. J'ai pété un câble, j'ai dû arracher le carton dans la boîte aux lettres, j'ai fait un bruit monstrueux, parce que dans mon palier, ça résonne comme pas possible. Et du coup, bah, j'ai dû tout arracher. Et j'avais une Funko Pop dedans. Est-ce que vous voulez voir la dite Funko Pop ou pas? Parce qu'on est sur une Funko Pop, là, je vous le dis, de qualité. On est sur une Funko Pop de qualité. Et c'est horrible, ça. Je me suis fait trop mal aux mains une fois pour me battre. Mais moi, j'ai dû l'arracher le colis. Hein. Sachant qu'à l'intérieur, il y avait une Funko Pop. Donc, le colis a été abîmé par quand j'ai essayé de sortir. Au début, je sais que c'est une Funko, mais en fait, je pensais pas que c'était celle-là. Donc, je m'étais dit, je sais qu'il va y avoir des coussins d'air, etc., qui vont la protéger. Ah oui, bah pas là. Moi, j'aime pas la mécanique de Pokémon et Jadarsus. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la mécanique? Il y a encore rien qui a été montré. Là, dans ce... alors ça, j'avoue que ce Pokémon Arceus là, c'est clairement c'est de l'exploration. C'est de l'exploration et il y a pas de, il y a des combats contre des Pokémon, il y a des combats également avec des dresseurs. Mais c'est, il y a plus le tour, enfin le tour par tour, il y a encore, mais c'est plus quand même en temps réel. Et bon, je trouve ça trop bien. Genre ça a l'air trop stylé. Adieu les arènes, et ça c'est trop bien. Moi j'en pouvais plus de ce truc là. c'est toute ma vie. Eh ben oui. Et oui, c'est horrible ça. Je me suis trop fait mal ça. Bon, j'ai lu pareil à Noël avec le cadeau de mon neveu. Par contre, on aimerait voir la pop. Ah bah je sais pas, vous avez pas répondu. Bah vous répondez pas, bah je vois pas. Et bonsoir Ishiza, comment ça? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Comment vas-tu? Je pensais qu'il n'y avait plus de tour par tour. Ah mais si, il y a toujours du tour par tour. Le tour par tour est toujours là. C'est juste qu'en fait... Quand le Pokémon t'attaque, toi, sans que t'aies ton Pokémon, il t'attaque en temps réel. Par contre, quand tu lances le combat, c'est un peu du temps réel, mais t'as quand même une espèce de sensation de tour par tour. Alors attention, c'est pas du tour par tour comme avant quand même, hein. Ça reste quand même légèrement en temps réel, mais t'as quand même ce système de tour par tour. Parce que le temps que toi, tu cliques sur ton attaque et que ton Pokémon il attaque, lui, il peut t'attaquer entre temps. Ça peut arriver. Si. Ah bah écoutez, si vous voulez voir la Funko Pop, alors attendez. À ce moment-là, je mets en pause la petite musique. J'ai dit en musique, la pause, la musique. Attendez, on se met en blabla 2 secondes. Hop, je vous montre ça. Hop. Donc, si vous vous souvenez de ce qu'il y a en haut là, j'ai eu un morceau du chemin de traverse. Et j'ai eu. Alors attendez, je viens de tilter qu'en fait, il se met là le bougre. J'avais pas compris. Avec son gros pied là. Comment voulez-vous que je mette ça là-dedans là. Voici ma nouvelle Funko Pop que j'ai reçue. Alors, elle est énorme. Hein. Voilà. C'est Hagrid devant le chaudron baveur. Et coucou, Farf. Du coup, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Voilà. Je l'ai reçue tout à l'heure. Et elle est trop stylée. Et en plus, Hagrid, il mange. Ah, c'est quoi qu'il mange? Oh, c'est une soupe. Merci. Elle est trop stylée, donc maintenant j'en ai 3 sur les 5 de dispo. Et il y en a encore une que j'attends, c'est celle de Harry avec les chouettes. Je pense que c'est elle que je dois recevoir la semaine prochaine. Et il y en a encore une autre, il y a celle de Ron. Mais celle de Ron, je ne l'ai pas encore achetée, je crois. Parce qu'elle est pas encore, elle a été annoncée cette semaine, je crois. Donc il faut que je l'achète. Faut que je l'achète. Hop, je remets la musique. Yes.
Ça va, merci. MDR, ça fait un petit moment. Les cours, tout ça, je me doute bien. Trop bol, c'est trop beau, c'est gentil. J'ai reçu le cadeau mystère de Manaphy et le look platine sur Pokémon Diamant. Ça, c'est normal, ouais. C'est normal, c'est normal. C'est grâce à tes sauvegardes de tes autres parties. J'ai le piment qui commence à sortir de mon nez, là. Pas le piment, les épices. Ah, il n'y a pas de rideau dans la maison des Solis. Franchement, c'est quand même une maison du mauvais goût, hein, ce qu'ils ont. Ils ont plein de cadres comme ça. Genre, littéralement, il y a un cadre qui est au-dessus de la cheminée, c'est ça. Hein. Ah, il n'est pas aussi grand. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer le mode tool. Échelle, on va mettre en 1,5, je pense que ça peut être bon. Voilà. On va également changer l'éclairage. Parce que ce qui fait moche, en fait, c'est que l'éclairage, il est très, très blanc. Mais je pense que si en rajoutant un autre éclairage, ça pourra passer. Puis cette moquette là, oh là là. Ça... Ici, on va mettre un tisonnier également. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de tapis, on mettra pas de tapis. Parce que pour le coup, on voit très souvent les pieds du lit, on sait qu'il n'y en a pas. Je pensais qu'on... Attends, mais je pensais qu'on recevait une Manaphy et le look platine que si on précommandait le jeu. Donc, non, non, non. Le, non. Manaphy, tu le reçois si tu... Ah, mais oui, attends. Non, je crois que si tu l'achètes avant une certaine date. Je crois que c'était plutôt ça. Il me semble que c'était ça, le deal. Le deal du truc. Là, il y a un autre cadre qui ressemble encore à une femme. C'est creepy de mettre ça, je trouve. Ah, c'est moche. Oh là là. Oh, puis on va mettre elle, hein, mais bon, c'est pas joli non plus, quoi. Mais bon, que voulez-vous? C'est la maison des Solis, c'est la maison qui n'ont ils n'ont pas de goût. Non mais c'est avec les sauvegardes d'épée et bouclier, je crois. Ah bon bah voilà. C'est pas Jirachi qui est dispo avec épée et bouclier et Mew avec Let's Go et bah si normalement c'est ça. Normalement Jirachi c'est avec épée et bouclier et Mew c'est avec Let's Go ouais. Normalement c'est ça. Excusez-moi. Ça va faire un petit verre d'eau. Bon, est-ce que je vais trouver ce maudit canapé ou pas là? Parce que là, pour l'instant, le jeu, il me chie dessus. Je peux mettre ça, mais c'est trop moche. Je peux pas. Ça, c'est trop grand. Il me faut un petit canapé, une petite causeuse de place. Confort. J'ai dit confort. Mais voilà, en tout cas, j'ai très très hâte vendredi. J'espère que, enfin, j'espère vous voir nombreux sur le stream pour du Pokémon. On fera la découverte ensemble. Sachez qu'en plus, je streamerai plus tôt que d'habitude. Je streamerai à partir de 18h. Parce qu'il faut savoir que le vendredi, je termine à 16h du boulot. Donc j'aurai le temps de me poser et tout. J'ai trop 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 envie qu'on stream longtemps sur le jeu. Donc on va streamer sûrement de 18h. De 18h jusqu'à 23h30 sur le nouveau Pokémon. Je n'irai pas plus tard, puisque le lendemain, je vais à Disney. Donc, je peux pas me permettre de me coucher trop tard, surtout que c'est moi qui conduis. Donc, voilà. Je vais y jouer toute la journée. Si jamais tu as des questions, je pourrais t'aider. C'est gentil. À mon avis, il va falloir m'aider parce que je le vois gros comme une maison qu'ils vont faire comme une Zelda Breath of the Wild. Et qu'en gros, ils vont nous lâcher dans le jeu et ils vont rien nous expliquer. Et du coup, on va devoir un peu apprendre par nous-mêmes ou en parlant avec des PNJ. Et bonsoir, Miss Kazak, comment ça va? Vous savez quoi? J'abandonne cette histoire de maudite causeuse, là. Ici, normalement, il y a une coiffeuse. Alors, j'ai pas de photo, mais on sait qu'à un moment donné, Juanita, elle vole à un moment donné des bijoux à sa mère, je sais plus ce qu'elle fait, mais je sais qu'ici, il y a une coiffeuse.
Ils ont mis ça dans le miroir, je crois, avec le mode. Décoration. Soit on met celui-là, mais celui-là, je le trouve vraiment pas joli. Hein. Je préfère vraiment celui-là, il est beaucoup plus beau. Et puis, on va mettre des plantes. Alors, je sais qu'il n'y a pas de plantes dans la série, mais clairement, moi, je vais en mettre parce que sinon, les maisons, elles me donnent envie de pleurer, quoi. Elles sont vides. Donnez-leur des plantes. Et bonsoir Foxy, comment vas-tu? Ça doit être hyper long de reproduire. Bah en vrai c'est long, ouais. Bah, en vrai, on s'est plutôt bien démerdé. La façade, on l'a fait relativement rapidement et je suis plutôt content de la façade. Je trouve qu'elle est juste pas assez jaune fluo. Enfin, pas jaune fluo, mais jaune foncé. Contrairement à la maison de Suzanne qui, je trouve, est plutôt ressemblante. Là, j'avoue, ici, j'étais un peu plus dubitatif. Qu'il y a moyen de changer la tronche de... oui, non. Confort. Alors, on va mettre le petit pouf que j'aime bien mettre. Est-ce qu'il est... Bah alors... Excusez-moi. Ça, c'est les épices de tout à l'heure. Waouh! Elles sont en train de... elles sont en train de déboucher toute ma gorge. C'est un truc de ouf. Merde. Bah. Suis-je aveugle? J'en ai bien l'impression. Là. On va le mettre en rouge. Bien comme toujours. Bah écoute, ça va. J'ai sur mon Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à le faire. J'ai fait ma première recette HelloFresh aujourd'hui. Et c'était grave, grave bon. Et du coup, bah ça va trop bien. Ça va très, très bien. Je suis fier de moi d'avoir réussi mon... Et je vais pas y arriver. Je suis super content d'avoir réussi mon... mon repas, ma recette, tout simplement. Et bonsoir River également, comment vas-tu? Voilà. Je croise le doigt pour que les Sims 5 soient teasés ou annoncés 2022. Ouf, moi j'y crois pas 2022 pour les Sims 5. D'ailleurs, vous avez vu, hein, hier, ils ont annoncé le pack Carnaval, qui est le carnaval, selon eux, de Rio. Alors apparemment, des gens du Brésil disent « Oui, si, si, nous, on porte ça. » Alors, je veux bien que vous portiez ça, les gars. Mais vous participez pas au carnaval, c'est pas ce qu'il y a sur les chars. Genre, tout le monde a cru qu'en fait, on pensait que ça allait être le costume des chars et tout, alors que en fait, pas du tout. Puis de toute manière... Ok, c'est bien pour la représentativité et tout. C'est bien qu'il y ait un pack et tout sur des vêtements de brésiliens. C'est bien. Mais faire un kit de vêtements sur le carnaval brésilien, sans avoir la possibilité de faire un carnaval à proprement parler dans les Sims, quel est le fucking intérêt? Parce que là, les Sims, ils vont ressembler à rien, à part si vous êtes à Soulani. C'est la maison de Gabriel. Exactement, River. C'était quoi la recette? C'est sur Instagram. Je sais plus le nom là maintenant tout de suite. En gros, c'était des nouilles aux œufs avec des crevettes, du lait de coco, curry rouge, citron, coriandre et beurre de cacahuète. Oui, beurre de cacahuète. Et ben, c'était trop bon. Ils abusent sur les DLC. Bah là, c'est même pas les DLC. Ils abusent sur les mini-kits. Les Rikikits, mais plus personne peut les blairer, ces trucs.
Ça vaut le coup par rapport au prix de quoi HelloFresh? Bah, en vrai, moi je trouve que vu les proportions que c'est, les produits sont de bonne qualité. J'ai eu un peu peur, j'avoue, quand j'ai commandé, que j'ai vu que ma recette comportait des crevettes. J'ai dit oulala. Et en vrai, quand je les ai reçues, des crevettes qui étaient relativement grosses et tout. Hein. Enfin, genre, c'était pas des tout petits trucs. Donc, ouais, non. Je suis plutôt très satisfait. Pour une première recette, attention, hein, j'ai commandé qu'une. Enfin, là, c'était ma première recette et j'en ai encore quatre autres. Donc, voilà. J'ai un nouveau téléphone. Oh, pas mal! Pareil, pour un pack. Pour le pack magie des Sims, je suis un peu déçu. C'est très vide. Le pack de jeux de magie, j'avoue que moi, il m'a déçu aussi. Il y a des trucs qui sont très sympas, mais j'avoue, il m'a déçu. Par contre, le monde, je l'adore. Le petit monde humain, genre, enfin humain classique, hein, Sims, je l'adore. J'aime pas du tout le monde magique, par contre. Et ton iPhone, alors, tu es satisfait? Ah bah oui! Ah oui, bah j'ai du coup, j'ai craqué sur l'iPhone. Ah bah oui, mais du coup, vous n'êtes pas au courant. Attends, ici, vous êtes au courant? Je ne sais même plus. Si vous êtes au courant. Oui, si. Oui, parce que j'ai perdu la notion du temps. C'était pas ce vendredi là, c'était vendredi d'avant encore. Oui, si, mon iPhone 13 Pro. Ah oui, bah, je suis très content. Oui, je suis très très content. J'ai aucun souci avec. J'ai mis des protections d'écran. Je m'ai mis une protection derrière au niveau des objectifs, pour être sûr. Donc ouais, non, je suis très, très satisfait. Les Sims ont sorti un pack magie. Attends, tu parles du kit ou du pack? Parce que si tu parles du pack de jeu, du jeu Monde Magique, je comprends. Par contre, si tu parles du kit, je suis clairement pas d'accord avec toi. Voilà, alors je pense que tu parlais du pack de jeu. Parce que le kit, le kit... Comment il s'appelle? Il est trop bien ce kit. Et bonsoir Sidrou, comment vas-tu? Je vais te voir sur Insta, c'est très beau. Ah merci, parce que je vois qu'il y a des gens qui ont répondu que c'était pas beau, que c'était pas réussi. Donc ces gens-là, sachez que je peux voir qui a répondu quoi. Donc je vous retrouverai. Et puis je ferai en sorte que vous ne puissiez plus jamais répondre. Quatre personnes maintenant. Eh ben, choqué déçu. En vrai, je pense que c'est des misclics. Ça va, j'attends vendredi. Ah bah, moi aussi, j'attends vendredi pour Pokémon. Et en plus, parce que qui dit vendredi dit que le lendemain c'est samedi. Et qui dit samedi pour Mister C, ça veut dire Disneyland. Paranormal, ouais, merci. Le kit paranormal, pour moi, hein, le kit, en termes de kit, je pense que. Attendez, je vais regarder la liste des kits. Mais je pense que kit paranormal, je crois que c'est mon kit préféré, hein. Je suis en train de regarder. Oui, oui. De tous les kits qui sont sortis, le kit paranormal, pour moi, est mon préféré. J'adore presque tout ce qu'il y a dans le kit paranormal. Le gameplay est sympa. Franchement, tout ce qu'il apporte avec le kit est trop stylé. Genre les maisons hantées et tout. Parce que mini-maison, je trouve ça surcoté pour ce que c'est. Moschino, j'aime pas du tout. J'aime juste les fenêtres. Tricot de pro, c'est nul, c'est éclaté au sol. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est la communauté qui a fait ça, je suis persuadé que c'est du bullshit. Moi, je suis persuadé que Tricot de pro, ça n'a jamais été, la communauté n'a pas voté pour cette merde. Moi, j'y crois pas. Bah, je suis complotiste, ce que vous voulez. Mais alors là, Tricot de pro, j'y crois pas du tout que la communauté a accepté de faire du tricot. Ou alors clairement, ceux qui ont voté massivement, c'est les Américains. Et franchement, ils ont pas de vie. Pokémon Power, ouais, bah oui, tu m'étonnes. Non, mais je la connais, sa profil. Okay. J'y ai joué, moi aussi. Il était vraiment fun. Okay. J'aime trop les objets de paranormal, il est trop stylé. Hein. Moi, j'adore Moschino. J'aime pas du tout Moschino, moi. J'ai hésité entre paranormal et magie. J'aurais dû prendre le paranormal. Paranormal, il est trop stylé. Attends, je peux te montrer si tu veux. Hein. Genre, paranormal. Paranormal. On va se mettre dehors. Déjà, rien que les canapés. Déjà, rien que ce canapé. Rien que pour ça, il vaut le coup.
La causeuse, elle est trop stylée. Le fauteuil aussi. Et le petit fauteuil. Et les deux fauteuils sont en raccord avec leur canapé respectif. Donc ça, c'est très bien. La petite table. Somme toute classique, mais sympa. Ce meuble, il est trop stylé. Franchement, ce meuble, pour vous aimez à faire un meuble salle de bain, un meuble télé et tout, trop stylé. Ça, pour le coup, j'aime moins. Ça, j'avoue, ce meuble-là, je suis pas fan. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. La table basse, j'aime bien. Juste, je suis pas fan de la branche avec les roses dessus. Le secrétaire est sympa. Les couleurs neutres, pour moi, sont plus appréciables. Ça, c'est le meuble où je suis un peu... Bah, voilà. Voilà. Après, il y a cette armoire que j'adore. Elle est trop stylée. On a cet ensemble-là avec la boule de voyance qui est trop stylée. Cette plante que vous le savez, je le mets dès que je peux, je la mets. Cette plante suspendue, pareil, je l'adore. Cette plante-là, idem, je la mets dès que je peux. La plante vache en sous-vert, elle est trop stylée. Le faux palmier est relativement sympa également. Ça, pareil, trop beau. Le cadre de... excusez-moi. De René Duplantier est très stylé aussi. Avec la maison, on peut changer la couleur du cadre en plus. Bon, les rideaux, c'est le seul truc qui est un peu éclaté au sol, selon moi. Voilà. En fait, les rideaux étaient très bien s'il n'y avait pas l'espèce de petite perle. Et après, on a de la déco. Voilà, on a plein de petits trucs. La petite main. On a un truc de bonbon. Le tapis. Le tapis de paranormal. Le tapis de paranormal. Juste avec le bleu qui est là. Le tapis de paranormal. Voilà. La cheminée de paranormal aussi est stylée. Elle est sympa. Les éclairages de paranormal. Ça, c'est un éclairage mural de paranormal. Voilà, paranormal, clairement, moi, je suis in love de ce pack. J'ai pas tout montré, à savoir qu'en plus, ça rajoute du gameplay, ce qui, normalement, dans un kit, n'en apporte pas, ou très peu. Là, il y a du gameplay, il y a... on peut être... Bon, il y a pas une nouvelle... Non, c'est pas une carrière, mais il y a une nouvelle compétence. Il y a un nouveau trait de terrain, qui est maison hantée, qui apporte pas mal de choses. Il y a plein de nouveaux petits esprits qui viennent et tout, les esprits frappeurs. Franchement, c'est trop stylé. Voilà. Dans Paranormal, mon objet préféré, c'est le petit fantôme dans le debug. Attends, on peut mettre le petit fantôme? Je savais pas. Et coucou Abigail, comment ça va? J'ai abandonné les Sims 4. Je suis parti sur ACNH. Je peux comprendre qu'on abandonne les Sims 4. Je peux comprendre. Les Sims 4 sont... les développeurs n'arrivent toujours pas à comprendre ce que veut la communauté. Alors que bon, s'il y a bien une communauté qui arrive à se faire entendre, c'est quand même les Sims 4. Et je comprends que la lassitude du travail bâclé de EA. L'esprit dans la cloche. Ah oui, mais oui, c'est l'esprit qui est dans la cloche. Mais on est d'accord qu'il est que dans la cloche. Il n'est pas en dehors. En vrai, si je mets celui-là... Oh, ça passe. En vrai, comme j'ai dit, hein, je fais la maison des Solis, mais je vais rajouter quand même des éléments de déco qu'il n'y a pas forcément dans la série. Parce que sinon, ça fait super vide. Faut que ça reste joli et jouable dans les Sims, quand même. Et bonsoir, Lunabay, comment vas-tu? We need Sims 5. les Sims 5, pour, comme je l'ai dit, hein, c'est pas pour tout de suite. Hein. On sait qu'ils doivent normalement bosser sur un pack génération. Donc déjà, les générations ne vont pas arriver avant été prochain, si c'est pour l'été prochain. Donc déjà, tu peux éliminer une annonce des Sims 5 cette année. Déjà. S'il y a une annonce des Sims 5, c'est possiblement 2023, mais je n'y crois pas.
Parce qu'ils ont potentiellement dit qu'on aurait peut-être les loups-garous et les fées. Mais si on a les loups-garous et les fées, ce sera pas cette année, les gars. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient même pas commencé à développer le truc dessus. C'est qu'ils émettaient l'hypothèse que peut-être. Donc ça veut dire que c'est même pas pour l'année, pour cette année, mais peut-être l'année prochaine. Donc ça veut dire que ça repousse encore les Sims 5. Parce qu'ils le savent. Ils annoncent les Sims 5. Les gens arrêteront d'acheter pour les Sims 4. En fonction de ce qui est... Enfin, si vraiment la bande-annonce des Sims 5 hype les gens, genre en mode, ah ça y est, ils ont compris, c'est pas compliqué. Les Sims 5, ils annoncent le monde ouvert, la roue des couleurs, et le personnaliser un style, comme dans les Sims 3, c'est banco. Les gens, ils n'achètent plus les Sims 4. Très bien, vous, ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très très bien. Je suis sorti de la maladie. J'étais malade ce week-end jusqu'à hier, j'étais malade encore. Et là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Alors, je recherche encore une fois, vous savez que je ne le trouve jamais, le maudit tisonnier de ces morts, parce qu'il ne s'appelle pas comme ça dans les Sims, et je ne sais pas où il est. À chaque fois, on le cherche pendant 20 minutes, et on ne le trouve pas. Je vais finir par l'enregistrer dans une pièce prédéfinie et le placer à chaque fois. Attendez, je vais désactiver le débogage pour que ce soit plus simple à choper. Voilà. Alors, là, est-ce qu'on va voir mieux ? Génération, genre gameplay avec les bébés, les bambins. On sait globalement qu'il y aura un truc potentiellement génération. Ah, il est là. Il est dans le bordel. Il est dans divers, à la troisième ligne. Il est là. Alors, on va le placer. Mais, maintenant, je vais réactiver le débogage. Et là, et on va voir où est-ce qu'il est. Donc, à la base, il était à la troisième ligne. Bah, il descend beaucoup. What? Il descend beaucoup, beaucoup? Non mais c'est pas possible. Il descend autant que ça? Ah, oh, il est là. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah oui, il est en bas, quoi. Ok, bon. Je n'ai pas joué au Sims depuis plusieurs mois. Bon, ça m'étonne pas, hein. Mais ouais, bah oui, en fait, les bambins et les bébés, ils ont aucune intérêt. Même quand t'es vieux, quand ton Sims, il est âgé, il a rien à faire. Le seul truc marrant qui peut se passer quand t'as un Sims âgé, c'est de le faire mourir parce qu'il fait crac-crac. Parce que si tu lui fais faire deux ou trois fois crac-crac d'affilée, il meurt. C'est le seul truc marrant que tu peux faire quand t'es vieux dans les Sims. C'est aberrant, quand même. En fait, quand t'avais les Sims 3 génération, là, t'avais tout un lore et tout à explorer. T'avais plein de trucs à faire. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Bah, j'ai pas désactivé jeu de base. Merde. Si tu cliques dessus, tu verras où il est dans ta liste. Comment ça? Oui, enfin, si je clique, c'est une fois qu'il est placé. Mais quand il n'est pas placé, je ne sais pas où il est. On va mettre en noir, comme ça. Je voudrais le tapis en pierre comme celui-ci, qu'on va venir réduire. Oh, c'est pas cool le jeu parce que t'as détecté que je... Bah voilà. T'as voulu me la mettre à l'envers le jeu, bah c'est moi qui l'ai fait. Oh, ça rend bien comme ça. Puis ça se voit pas. Parfait. Je rigole, mais un jour ça va bien arriver. Ça va bien arriver, bah on y croit. Coucou Fauka, comment tu vas? Comment vas-tu? Je pense pas que ce soit une bonne idée, car il ne faut pas les presser. Il vaut mieux qu'ils prennent du temps et qu'ils finissent le 4 déjà. Bah, je suis d'accord, puisque enfin, après, faut savoir que quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, les Sims 5 sont développés en parallèle des Sims 4. Faut savoir que c'est une totale autre équipe
qui bossent sur les Sims 4. Les personnes qui bossent actuellement sur les Sims 4 ne sont absolument pas sur le projet des Sims 5. Et pour moi, c'est une bonne chose. Parce que pour moi, individuellement, les personnes qui travaillent sur les Sims sont sûrement de bonnes personnes et des personnes qui sont compétentes. Mais je trouve que l'équipe des Sims 4, l'équipe vraiment, la globalité des personnes qui sont dans cette équipe-là, entre elles, ça ne fonctionne pas. On le voit bien. Il n'y a pas de communication, c'est mal foutu, ça bug, ils ne savent pas jouer, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe globalement. Pour moi, il y a un problème dans l'équipe. Alors après, c'est peut-être un problème de management, c'est peut-être un problème de hiérarchie, on n'en sait rien. Mais pour moi, l'équipe des Sims 4 en tant que telle, elle ne doit pas être sur les Sims 5, et de toute manière, elle n'y est pas. Donc c'est une très bonne chose. On va pas mettre du tapis. Ça, c'est pas mal. On va rajouter un cadre, je pense, ici. On va mettre un cadre encore kitsch. On n'a pas trop le choix. Si je mets lui, que je réduis. Je viens faire ça. Parfait. Le cadre n'est pas encore fini. C'est ça. Le 4 n'est pas encore fini. Oui, alors le 4 n'est pas fini, mais il est sur la fin. On sent qu'il est sur la fin. Moi, je sens là surtout que on est vraiment sur la toute fin des Sims et qu'ils sont en train d'étirer, étirer pour arriver jusqu'au Sims 5. Mais là, la communauté, elle est en train de bouillonner. Et coucou, Océane. Oui, ça faisait longtemps. Comment tu vas? Bah écoute, moi, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Non, mais 80 DLC, vous imaginez la honte? Enfin, la honte. Dans le sens où, à quel point ils nous ont pris pour des pigeons. Genre, 11 DLC. Genre, mais... Rendez-vous compte. Genre, c'est clairement, ils nous ont pris pour des vaches à lait. Tiens, je peux comprendre qu'il y ait besoin d'argent, mais là, non. Là, on nous a pris pour des teubés, là. En plus, sur 80 DLC, la moitié est à foutre à la poubelle. Parler du nouveau Rekikit. On parlait de l'avenir des Sims, tout ça, tout ça. On a parlé du nouveau Rekikit qui, pour moi, ne sera pas pris dans ma bibliothèque. J'ai eu, pendant un temps, l'espèce d'esprit de collectionnite aigu des Sims. Je voulais impérativement tout avoir des Sims en termes de DLC. Sauf que là, vu ce qu'ils me sortent comme vraiment truc nul, bah, j'achète pas. J'ai pas acheté les derniers kits de vêtements, je n'ai pas acheté je n'achèterai pas le... Enfin, en fait, tous les nouveaux kits de vêtements, je ne les ai pas achetés. Il n'y en a que deux que j'ai, parce qu'en fait, j'ai gagné un concours, et que du coup, c'était remporte un kit. C'était un kit ou deux mini-kits, et comme j'avais tous les kits, je me suis dit, il me manque deux mini-kits, il manque les deux vêtements, ce sera ça. Donc, en fait, je ne les ai pas achetés, c'est juste que je les ai gagnés. Mais de base, ça ne m'intéressait pas, hein. Ben voilà quoi. Ben j'essaie de mettre correctement. Voilà. Il faut qu'il prie pour que Paralive ne sorte pas bientôt. Bah alors par contre, ce qui est drôle, c'est qu'hier, de toute façon, vous l'avez vu, hein, en stream, on a voté pour les. En fait, j'ai eu un questionnaire, moi, des Sims. Et pour ceux qui étaient là avec moi, il y avait des questions quand même qui étaient ultra orientées, notamment sur. Enfin, pas sur Paralive, ils n'ont jamais parlé de Paralive. Mais tu sens que. Il parlait de la concurrence, machin. Tu sentais qu'il y avait certaines questions qui étaient un petit peu orientées pour savoir si, s'il y avait un autre jeu de simulation de vie qui proposait plus que ce que les Sims 4 proposaient. Est-ce que on allait y jouer? Bien sûr que oui, les gars. Il y avait des trucs qui étaient très très sous-entendus sur plein de questions. Il y avait derrière des questions très osées, je trouve, auxquelles tu n'as pas à répondre. Genre, quel est ton parti politique? Je suis en mode, pardon? Genre déjà. Alors après, je sais que c'est un truc aux États-Unis. Aux États-Unis, ça se dit beaucoup. Ça se demande beaucoup. Genre, là-bas, les gens, ils mettent des pancartes dans leur jardin pour dire pour qui ils votent. En France, ça se fait pas. En France, tu dis pas trop pour qui tu votes, en général.
Les opinions politiques, c'est chacun fait ce qu'il, enfin, chacun pense ce qu'il veut, etc. Voilà. Pense que c'est bien de faire ça. Et on va rajouter un éclairage ici au plafond. On va plutôt mettre un éclairage ici, là. This room, un peu plus jaune. Oh, ouais, non, pas du tout. Comme ça ira bien. Mais oui, c'est un questionnaire américain inadapté à la culture des autres pays. Bah, je trouve ça quand même honteux. T'es, tu sais très bien que tu ne demandes pas le parti politique dans les autres pays. Attention, il revient. De qui? Qu'est-ce que tu racontes, Spicy? Le mini-kit. Ah oui, bah oui. Mais quand tu t'adresses à tout le monde, tu doses tes questions. Exactement. Bon, heureusement, tu ne pouvais pas. Oui, t'étais pas obligé d'y répondre. Alors oui, mais en fait, tu peux pas y répondre, mais. Enfin, faut insister en fait. Parce que de base, il te dit non, tu peux pas. Tu es obligé de dire bah si. Parce qu'en plus, tu es obligé de répondre oui ou non, quoi. T'as pas le choix. Donc bon. Après, peut-être que c'était juste mal traduit. Non, non, non. Pour le coup, avec ça, ça parlait vraiment des. Non, ça parlait vraiment politique. Me demandez pas, il y a de réfléchir, j'avoue. Et tu ne demandes pas. Oui, pareil, il me demande. Et tu sais pas pourquoi, il me demandait combien je gagnais par mois. Enfin, par année. Genre, je veux bien que tu aies des questions, genre lambda bateau, tu vois. Mais ça. Tu ne demandes pas dans ce genre de questionnaire. Genre. C'est eux qui me font rire avec leur technique commerciale. Mais c'est ça. L'orientation. Oui, pareil, l'orientation sexuelle. Enfin, genre, t'es en mode, bah, ça vous regarde pas, les gars. Ah, je vous jure, c'est américain. S'ils ont une communauté plutôt riche, ils augmenteront les prix. T'imagines, c'est pour ça qu'ils ont fait ça? Bah si tu gagnes autant, ça veut dire que tu peux acheter encore plus de DLC. Les gars, ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas parce que je gagne beaucoup d'argent que j'ai envie d'acheter votre merde parce que vous avez bâclé votre travail. Hein. Et votre mini-kit sur le carnaval de Rio qui ressemble pas à du carnaval de Rio. Bah je vais pas l'acheter. Ça va être dans quoi le maquillage? Ça va être là-dedans. Qu'est-ce que j'aimerais que T-Mex modifie son mode du débogage et qu'en fait on les ait dans un autre onglet. Parce que dans divers, t'as tout et n'importe quoi et c'est trop chiant. Du coup, je retrouve plus rien. Et à chaque fois, je suis obligé de les désactiver. Édite en direct, tu me l'enlèves et débogage aussi. Voilà. Les prix sont fixes, donc je ne pense pas. De quoi, des Sims? Ah, pas du tout. Les Sims, à la base, étaient beaucoup plus chers. Et les Sims 4 étant un flop, ils ont dû baisser le prix. De base, les Sims 3, c'était 60 euros le DLC. Ils ont fait ça au début dans les Sims 4. Et ils se sont fait taper dessus. Parce que le jeu était un flop monumental. Et le premier DLC. Qui était du coup destination nature, ils l'ont mis à 40 euros pour que les gens l'achètent. Parce qu'à l'avant, c'était à la base, c'était 60 euros qui était prévu. En fait, j'ai essayé de faire une référence au sketch facile lorsque j'ai dit attention, il revient. Alors, pour le coup, je l'ai pas.
Alors, je me sens un peu con parce que j'aime bien Florence Foresti, mais là, j'avoue, je l'ai pas. Pourquoi je trouve pas le maquis? Pourquoi je trouve rien aujourd'hui sur mes Sims? Bon, excusez-moi pour les bugs de miroir, mais bon. Vous avez bien compris que je n'ai pas de chance. De quand même le don de nous pondre des daubes emballées avec un beau papier cadeau. Et on prend quand même. Bah, moi, je prends plus. Et... moi, je ne prends plus ce que Daniel. Les mini-kits, je les prends plus. Sauf si c'est une mini-kit d'objets. Je les prendrai. Enfin, tout ce qui est vêtements, je ne prendrai pas. Je ne prendrai plus... voilà. Maintenant, je vais vraiment faire le tri. Parce que Yem m'a saoulé, là. Il y a Cyril aussi qui est très, très énervé contre Yem. On en parlait justement hier soir. Moi, je pense que... Enfin, je pense, j'en suis sûr. Pour moi, les Sims 4, ça sera la dernière licence où je mettrai autant d'argent. Il faut se dire quand même qu'on a mis près de 1000 euros dans les Sims 4, si on a tous les DLC et tout. Et franchement, vu comment on nous remercie, moi, je donne plus une once de crédit à EA. Si on va mettre des miroirs. Hey, pourquoi mes vêtements, ils ont disparu? Si vous me dites que c'est un bug et que ça disparaît à chaque fois, moi, je vais pleurer. Hein. Hey, pourquoi toi, tu veux plus te mettre? Ah, parce que bah, tu as disparu. Très bien. Très bien. Hey, coucou Krypton, comment vas-tu? J'ai essayé de faire... c'est bon, j'ai lu. Le sketch de Isabelle Adjani. On n'est pas couché en 2017. Ah ouais, alors là, c'est pour ça. C'est pour ça. T'es parti trop loin. C'est censé être un jeu de détente. Et pourtant, j'ai l'impression que ce jeu devient source de colère et agacement et créatrice de tension dans la communauté. Exactement, Lunabelle. C'est exactement ce qu'on est en train de devenir les Sims. En fait, tension et colère, pourquoi? C'est tout simple. Le jeu est buggé. Le jeu est buggé depuis très longtemps, mais il y a des bugs qui rendent vraiment le jeu injouable. Et EA n'en a strictement rien à battre. Bon, alors normalement, c'est supposé refléter l'autre côté. C'est juste que moi... C'est comme c'est bugué, ça reflète le mur. D'ailleurs, vous savez quoi? Ça me saoule tellement que je vais remettre les miroirs cassés. Bah, je préfère encore qu'il y ait ça. Alors oui, ça bug, mais normalement, quand il y a le miroir, ça fonctionne. Coucou, Caoutchouc, comment tu vas? J'ai pas compris ce qui se passe. Non, on parlait des Sims. Ouais, des Sims, que bah ça tourne un peu à la déception, quoi. Plus le temps passe, plus bah ils corrigent pas les bugs, quoi. Merci, Mizuki. C'est moi où les sons sont devenus super forts? C'est moi dans mes oreilles, ils m'arrachent les oreilles.
Ou alors, est-ce que avec mon, est-ce que j'aurais retrouvé de l'audition? Peut-être possible aussi. Ouh, cette musique, elle est trop bien. Rien à voir avec les Sims sur Lady Gaga. Alors, ça fait bien longtemps que les Sims ont perdu. Alors, vous savez, alors, c'est très très bien. C'est très très bien qu'ils aient fait une collaboration parce que là, le nouveau kit. Le seul truc qui est bien avec le nouveau kit qui est sorti, la Carnaval, c'est qu'ils ont fait une collaboration apparemment avec un artiste brésilien. Un ou une act... Je sais même pas. Bref, un acte. Une personne, enfin un chanteur ou une chanteuse brésilienne pour faire une chanson en Simlish. Apparemment, c'est une personne célèbre au Brésil qui est inconnue au bataillon dans mondialement, mais juste au Brésil, il est connu. Soit, très bien. Par contre, ce qui me fait rire, c'est par contre, on peut voir juste le niveau de baisse de la notoriété des Sims. Dans le sens où faut pas oublier que dans les Sims 3, la célébrité qui avait été prise pour faire un pack sur les Sims 3, on avait eu Katy Perry. Et Katy Perry, pas aujourd'hui où on l'entend pas beaucoup, Katy Perry à l'époque où elle était vraiment dans l'âge d'or, où elle a fait tous ses clips qui l'ont énormément propulsée au box-office. Donc, je trouve quand même ça relativement aberrant, quoi. Alors, on est passé de Katy Perry à une personne certes connue dans son pays natal, mais pas ailleurs. En mode, bah les gars, vous avez perdu en notoriété. Hein. Katy Perry, c'est une de mes faves. Elle est sous-cotée. Bah, non, elle n'est pas sous-cotée, c'est ce que je disais. Si on a une célébrité mondialement connue dans les Sims 3 à l'époque, et genre là, on a un artiste, un chanteur, qui est juste connu dans son pays. C'est là, et puis il n'y a pas eu d'autres, enfin il n'y a pas eu de, il y a pas eu d'autres collaborations avec des chanteurs, tu vois, c'est ça que je veux dire. On a eu des collaborations avec des influenceurs, c'est génial. Pour Moschino, on a eu des vieilles collaborations pourraves pour des vêtements. Excusez-moi, hein, ça arrive pas à la cheville du pack avec Katy Perry, hein, avec Showtime. Hein. Alors le pack Showtime édition Katy Perry que j'avais acheté, bon, les objets Katy Perry étaient dégueulasses. On va pas se mentir, c'était dégueu, ça se portait pas. Mais t'avais le mérite d'avoir Katy Perry dans le jeu. Et les musiques de Katy Perry en Simlish. Et pas d'artiste, c'est ça. Ouais. Mettre un Tumblr, hein, je pense. Même au niveau des DLC, ils se sont perdus. Les nouveaux n'ont pas envie du tout d'acheter, c'est trop cher. En vrai, le dernier DLC, il est bien. Hein, le DLC. Merde, Via la campagne. Le DLC de Via la campagne, il est vraiment très très bon. Ça, on peut pas le retirer. Le Via la campagne, il est très bien. Ouais, c'est juste que des fois, ils nous pondent des trucs. Tu sais pas trop ce qui leur arrive, quoi. Bon, j'arrive pas à trouver ce que je veux mettre ici. Je vais mettre une grosse fleur. Je l'aime bien en plus cette grosse plante, vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas soumise à la grille. On peut la mettre où on veut. Oups. Bingo, toi, je la mets là. Hop, ça passe. Bon, là, ça fait un peu vite, j'avoue quand même. Hein. Je sais pas si tu as vu mon message. Ah, je sais pas, ce pas-ci. Je sais que j'ai écrit un article sur Instagram. Ah, pardon, j'avais mal compris. Perso, j'ai acheté ce jeu au rabais, genre moins de 10 euros, je crois. Et franchement, ça donne pas envie de continuer à jouer, vu le nombre de DLC et le nombre de bugs, juste hallucinant. Ah, coucou Yemna, je sais plus si je t'avais dit coucou. Sur les Sims 4? Bah, en vrai, il y a tellement de bugs qu'aujourd'hui, ça donne plus envie d'y jouer. Hein. Il y avait un pack H&M, je pense que c'est sur les Sims 2. Sims 2, il y avait un pack H&M, il y avait un pack Ikea. Il y avait. Les Sims 2, c'était full placement de produits. Campagne sans cochon, lapin, chevaux, âne, canard, bah, etc. Non, merci. En vrai, non, il est quand même très bon. Hein. Mais oui, bah, oui. Alors, moi, par contre, ça, je l'avais dit. Hein. J'avais dit qu'il fallait pas s'attendre à avoir des animaux de malades mentales. Hein. Déjà, les vaches, je n'y croyais pas.
Et de toute façon, le même, au moment où ils ont montré les vaches, j'ai dit, attendez les gars, elles sont sûrement dans la petite maison et c'est des objets, c'est pas des animaux. Et bingo, c'est ce que c'est. C'est des, ce sont des objets. Pareil pour les lamas. Les poules encore, ça peut... Elles font moins objet parce qu'elles peuvent s'enfuir, elles se barrent partout dans la map. Donc ça encore, ça fait pas trop objet. Par contre, clairement, clairement les vaches, c'est pas des, c'est des objets dans l'espèce. Mais oui, non, moi je l'avais deviné, hein, qu'il n'y allait pas avoir de cochons. Les lapins, ici il y a des lapins, par contre, il y a des lapins. Chevaux, oui, il n'y a pas. Âne, il n'y a pas. Canard non plus. Ouais. Et coucou, D, comment ça va? Ils vont pas faire de gameplay et tu peux pas les adopter. T'as un petit peu de gameplay avec, mais oui, tu peux pas les adopter. Par contre, les lapins peuvent te tuer. Et je trouve ça relativement drôle quand ça arrive. Enfin, faut y aller, hein. Faut pas être méchant avec eux, de toute façon, pour les tuer. Enfin, pour qu'ils te tuent. Vous savez quoi? Je vais faire exprès de ne rien mettre. Vous savez, depuis quand? Depuis le premier jour. Les lapins et les poules peuvent te tuer. Faut être méchant avec eux. Plein de fois. Au bout d'un moment, bah, bim, ils vont te buter. C'est la nouvelle mort dans cet opus. C'est de pire en pire, les Sims. Dans les Sims 2, tu survis à un incendie, mais tu peux mourir tué par une poule. Bah dans les Sims, tu meurs dans un incendie. Alors, des fois, ils peuvent survivre quand ils brûlent, c'est vrai. C'est rare, mais ça arrive. Mais la plupart du temps, tu décèdes. Hein. La plupart du temps, dans les Sims, ils cherchent pas à comprendre, ils te tuent. Bedroom, là, il me faudrait maintenant la, bah, la bathroom. Comment ça va? Bah, c'est Lapinou. Bah ouais, mais t'as emmerdé Lapinou aussi. Lapinou, il était pas content. Bah, il t'a lapidé la gueule. Il te refile la myxomatose. Les poules, elles peuvent te tuer aussi. Moi, je m'étais dit... En plus, alors moi, j'avais prédit la mort, que genre, tu te ferais écraser par la vache. T'essaierais de la pousser pour la faire tomber, et genre, elle te tombe dessus et tu meurs. Genre, ça aurait été trop drôle de mourir écrasé par une vache. Plutôt que de mourir becqueté par une poule ou par un lapin, ce qui n'a aucun sens. Au moins, mourir écrasé par une vache, ça peut arriver. Hein. Alors que mourir becqueté par une poule, alors soit t'es vraiment teubé, soit tu l'as cherché. Et mourir tué par un lapin, je crois que ça n'est jamais arrivé. Quoique, c'est peut-être arrivé à un chasseur. Ils sont tellement teuteux, ceux-là. Et hop, la balle perdue pour les chasseurs. Oh, attendez, je viens de c'est super moche, c'est pixelisé. Alors, la salle de bain, je vais pleurer pour la faire. Yep, je vais regarder. Yep, yep, yep. Heureusement, j'ai deux lapinous. Faut bien s'en occuper, hein. Non mais c'est trop hard, ils peuvent pas faire ça, des morts IRL qui n'existent pas, oui pardon, oui des morts qui n'existent pas, oui forcément. Le chasseur il avait pris l'apéro avant de chasser, alors, ah oui c'est fort probable. Ah non c'est pas probable, c'est vrai. Oui jouons le stéréotype à fond, je voilà, vous pouvez très bien comprendre que je suis contre la chasse mais... Je comprends pas trop comment est-ce qu'au 21e siècle, on accepte encore ce genre de choses. Qu'il faille réguler certaines espèces parce qu'elles n'ont plus de prédateurs naturels, je comprends. Mais à ce moment-là, tu abolis la chasse et tu fais comme aux États-Unis, là pour le coup, voilà, où tu fais en sorte qu'il y ait des espèces de gardes forestiers pour les régions. Et à ce moment-là, quand ils estiment qu'il y a une population trop grande, par exemple, de sangliers, parce qu'ils n'ont plus de, ils ont pas de prédateurs, il n'y a pas de loups, il n'y a plus de loups en France. Donc forcément, ils se font plus becqueter. À ce moment-là, là, je suis OK,
c'est, voilà, il y en a trop, ça prolifère, ça menace pas mal de choses. À ce moment-là, tu vas, et les personnes, voilà, les gardes forestiers qui ont été élus, à ce moment-là, eux sont mandatés pour aller tuer l'animal. Mais c'est pas les 40 poivreaux, enfin ils sont pas tous poivreaux, hein, c'est un peu vraiment englober tout le monde, mais les 40 clampins du dimanche qui vont les tirer sur tout ce qui bouge et prendre un malin plaisir, en plus, parce que ça qui est pire, hein, c'est que en fait je comprends pas les chasseurs qui prennent un malin plaisir à tuer une bête innocente. Genre, il y a quoi dans ta tête de ravager pour trouver ça trop cool, hein, d'ôter la vie à un animal? Genre, faut être sacrément ravagé pour adorer ça. Et après, on va dire, oui, mais quand toi, tu manges. Quand je mange, je comprends que l'animal est mort, mais je suis pas là, oh, c'est trop bien. Genre, ok, c'est horrible, l'animal est mort, et pour que je puisse manger. Quand tu chasses, les trois quarts des trucs qu'il chasse, il le bouffe même pas. Hein. Donc, bon. Enfin, bref. Pas du débat. ça dépend si c'est de la chasse pour uniquement se nourrir. Voilà. La chasse pour nourrir, je peux à peu près la comprendre. Ça tout dépend comment elle est faite d'ailleurs. Mais la chasse pour la chasse, je suis désolé, non. Tout ce qui est élevage d'animaux exprès. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais on fait de la chasse, mais c'est pas grave, on élève les animaux pour ça. Tu élèves des animaux, tu les parques dans un enclos, tu ne leur laisses aucune chance pour qu'ils survivent. C'est pire encore. Dans mon métier, je fais des attestations d'assurance pour les chasseurs. Ça me débecte. Mais tu m'étonnes, bah. Ça se trouve, en 2024, ils essaieront toujours de nous convaincre avec leur technique commerciale bidon. C'est fort probable. Et re-Julie. Trop d'accord. Le cerf à Compiègne, regardez la vidéo sur YouTube. C'est n'importe quoi. J'ai très peur de... Je regarde plus ce genre de vidéo parce que ça me fait trop mal au cœur pour l'animal à chaque fois. Non mais cet été, j'étais outré des chasseurs qui étaient sur notre terrain pour tuer nos sangliers avec les enfants qui jouaient à côté. Oh mais non mais ça, c'est horrible. Et en plus, ça se croit tout permis, tu vois, ça rentre chez les gens et tout. Après, ça y... certes, alors pas tous, attention, mais certains peuvent te menacer et tout. T'es en mode, écoutez les gars, vous allez baisser d'un ton. Non, moi... Les chasseurs, je n'en veux pas. C'est trop moche, ça. As-tu déjà vu des vidéos de... Je ne regarde pas, parce que je trouve ça horrible. J'ai déjà vu des trucs passer, et rien que le peu que je vois... Bah. Tu as moi qui percute un pigeon et qui pleure pendant 2 jours en voulant me rendre à la police. Alors, de là, alors, je peux comprendre que tu sois triste parce que tu as tapé un pigeon sans faire exprès en voiture. Voilà. Oui, mais encore... Alors si, j'ai déjà tué un mulot en voiture, en revenant de Disney. Bah, la dernière fois que je suis allé à Disney, et c'est moi qui conduisais, j'ai écrasé une souris sur la route. Mais en même temps, j'avais une voiture qui me collait au cul. Et genre, j'ai quand même pile un peu freiné. Genre, il y a 2 souris qui sont passées. La troisième, elle s'est arrêtée. Et elle s'est arrêtée, cette gogole, pile sur l'angle de ma roue. Donc ça a fait un... Poum. Et là, j'ai fait... Bon, bah, je crois qu'elle est morte. Mon oncle s'amuse à tirer sur des animaux en forêt, je le déteste. Ah bah je peux comprendre, je le détesterais aussi. Je peux comprendre. Je disais, j'ai trop envie de faire ma formation, mais ça ne sera pas avant de me lever. Ah pardon. Je vais élever un gosse pour au but de le mettre dans la cave. Donc au pire, c'est pas grave, c'est un peu ça. Non mais à la campagne où je travaille, ils veulent plus de chasseurs. Donc, quand un contrat est résilié, impossible de le remettre en place. Ah, ça, c'est bien. Et même juste de les modifier. Lol, tu m'étonnes. Retourne ton bail. Tu veux savoir ce que je fais? Oui, vas-y, tu peux toujours dire. Tu peux. Alors. Ah, c'est ça en plus comme sol qu'il y a. Alors, spoiler alerte, quand même, la salle de bain est dégueulasse. Hein. Elle est de mauvais goût, comme le reste de toute la maison. Ah! Alors, apparemment, il y a un changement parce que pendant un temps, ici, bon, vous savez, il y avait un petit décaissé, je le fais pas parce qu'il y a la chambre. Il y a un petit décaissé, normalement, il y avait les toilettes. Mais en fait, après, il y a une baignoire. Il n'y avait pas une baignoire, il y a une douche. Il y a eu un micro-changement. Il y a une chaise ici.
Mais la chaise, on va plutôt la mettre là. Alors, bien sûr, ça, on va l'enlever. Du coup, ici, ça fait pas de fenêtre. On mettra du lierre, je pense. Et ça, on va le casser aussi. On va faire ça autrement. C'est un peu moche, hein. C'est un peu trop. Tant pis. Rien à voir, mais ça c'est. Tu joues aussi à Stardew Valley par rapport à l'association. Oui. Je joue à Stardew Valley, j'ai commencé mes streams avec Stardew Valley. J'ai commencé à streamer avec ce jeu. Ça a été mes 2 premières semaines de stream. Un cerf réfugié accompagne le centre-ville et les chasseurs voulaient à tout prix l'abattre. Et heureusement, les gens l'ont défendu. Et d'autant plus que les chasseurs étaient en mode il est à nous, on va le tuer. Alors qu'il avait des gens autour. Ah, mais je crois que j'ai dû voir un truc passer vite fait. Formation confiance. Oh, trop bien. Trop bien. Déjà, le losange au milieu, je suis mitigé. Bah, en fait, c'est comme ça de base, mais j'avoue, c'est pas ouf, quoi. Je pense qu'on va l'enlever. Parce qu'en effet, c'est pas joli. Je te connais que sur Sims, c'est un SNH. J'ai fait du Pokémon aussi. Et d'ailleurs, on refait du Pokémon vendredi. On va faire le nouveau Pokémon. Alors, comme beaucoup de monde, à mon avis, je m'attends à ce que j'ai pas beaucoup, enfin, je m'attends à pas avoir beaucoup de monde hein, sur le stream vendredi. C'est pas grave, hein, mais il va y avoir énormément de gens qui vont le streamer. Alors, le hic qu'il y a là, c'est qu'en fait, ce sont des vasques qui flottent dans le vide. Sauf que ça, on n'a pas. Bien que, attendez, j'ai peut-être moyen de trouver une solution. Alors, vous inquiétez pas. Je sais que c'est très moche, là. Mais on va corriger ça. Alors, on va pas faire des trucs qui flottent dans le vide, parce que forcément, ça n'a pas marché. Par contre, on va plutôt faire un truc moderne. Parce que leur cuisine... Enfin, leur salle de bain. C'est relativement moderne. Ah, mais merde. Bon, ce sera pas fonctionnel, c'est pas grave. Ah, si, ça va être fonctionnel. Ouah. Hop. Ici, échelle. 0,999. Et là, on va faire élévation. Ah, mais ça va descendre en dessous. Donc, non. Je vous abandonne. Bonne soirée. Pas de soucis, Athanaïs. Bonne soirée à toi. Une formation de coiffure en CFA avec un patron de 2 ans. Et si je trouve pas, eh ben, je. C'est pas grave. Faut pas baisser les bras. Merci, Yann, pour le coup. Merci, merci. On te donnera de la force, mais c'est gentil. Pour le week-end caritatif, ça pourrait être bien que tu fasses un post si jamais tu as besoin de gens pour jouer sur du multi, pour savoir si tu as des personnes sur Discord, etc. Oui, ouais, il faudrait que je le fasse. En fait, il faut s'y rendre tôt. Faut s'y prendre tôt pour trouver un patron. Oui, Spicy. Dès que tu sais que tu es dans ta formation, que c'est bon, que tu peux être pris, il faut que tu cherches un patron. Il faut même presque avoir le patron avant d'avoir la formation. Après, je sais pas si tu fais vraiment une formation ou une école, mais si c'est une formation, si c'est une formation et que tu es sûr d'avoir la formation, à ce moment-là, tu cherches déjà le patron. C'est bon, j'ai lu. Et coucou, Tata, comment vas-tu? On va faire moins 0,5. Bon, bah, pas du tout, Mister C. Ah, ça se voit pas, c'est bien. Élévation 0,0. Bon, pas autant. Élévation moins 0,05. Ah oui, bah non. Élévation 0,025. Élévation 0,010. J'ai un peu peur là.
Oh yes. C'est pas mal. Alors par contre, on voit juste que c'est planté dans le sol. Donc, ce qu'on va faire une autre technique. Je sais pas si ça va marcher. Si je fais rotation 180. J'en étais sûr, mais du coup, vous... bah oui, mais du coup, ça me les décale. Il se déplace dans quel sens? Si là, je fais 1, 0. D'accord. Donc, si je fais déplacement 0,1. Pourquoi ils sont descendus d'un cran? Je comprends rien. X. Ah, mais attendez, Y. Y comme ça. Oui, ça n'a pas de sens. Je comprends vraiment que dalle à jeu. Donc 0,05. Non, même pas 0,1. Ça le descend automatiquement, c'est stupide ce jeu. J'espère avoir une bonne note. Pardon, demain j'ai un oral d'anglais et je stresse de ouf. Écoute, si t'as révisé et que tu penses que c'est bon, je vais devoir refaire le coup des élévations, ça va être chiant par contre. Oh. Ah, ça me les a décalés en plus. T'es pas cool le jeu. En même temps. C'est les Sims. Élévation. Moins 0,5. Winoxy. Moins 0,2. Oh bah enfin ça va aller vite. Oh c'est pas assez planté. Ouais, bon, en même temps, Storce, c'est un peu tôt. Merci, Drag, pour le follow. Merci à toi. Oui, donc si. Écoute, moi, ça me va bien comme ça. Sachant qu'après, on va mettre un miroir, ça se verra moins. Bah, je pense que ça se verra même plus du tout. Bon, je sens que je vais m'énerver. Parce que là, le problème, c'est que si je fais ça, ben voilà. Ah, j'ai envie de pleurer. Alors, on va mettre un autre miroir. Toi, qui est plus intéressant, visiblement. Sauf une démarcation. Moi j'aime bien. Mais on doit présenter un casier et tout, donc je suis deg. Je suis trop forte, je suis pas forte du tout. Comment à te présenter un casier? Quoi? Comment ça un casier? On doit présenter un casier. Un dossier peut-être, non? Alors moi j'ai toujours été nul en anglais. Mais genre à l'oral, hein, j'ai vraiment été une calamité. Et en vrai, j'avais quand même des bonnes notes à l'oral. C'était rare. Enfin, j'avais toujours la moyenne. Parce que j'essayais vraiment voilà, de montrer que j'avais travaillé, quoi. Bon, j'étais nul. Je crois, dans HP, à chaque fois, j'entends la musique. Ah bah oui, mais c'est ça. Ah, donc, si. J'ai oublié de mettre le lit de Noxy. Alors attendez, je pense que je vais devoir m'éclipser quelques secondes. Je m'éclipse quelques secondes, je reviens, je vais donner le lit de Noxy. Je vais le mettre à côté de moi. Je reviens.
heureux. Pardon, j'ai été donné des croquettes au chat aussi. Ma soeur est dans sa dernière année de BP. D'accord. Il y a quelqu'un qui sur le live qui se connaît en métier de coiffure. Ah bah voilà, c'est pour ça, Océane. Un casier de cours. Ah d'accord. Je te fais un dessin. T'inquiète, ok, d'accord, je viens de comprendre. Ça, c'est bon, j'ai lu. C'est chouette comme assemblage. Écoute, c'est ce qui lui plaît. Il y a le faire ce métier. Conseil, cherche tôt tes modèles si tu te lances dedans. Un assemblement. Ah, je crois que. Non, je crois que c'est pas ça. Je sais plus si ça parlait de pourbois ou pas. Bon, vous en pensez quoi de ce meuble? Je pense qu'on va changer la tronche du... Il n'existe pas en gris. Ah, t'es qu'est-ce comme ça. En vrai, c'est couleur moche, en vrai. En vrai, c'est vraiment moche comme couleur qu'ils ont mis. On va mettre... Attends, il faut qu'on mette le mur, parce que si je mets pas le mur, ça marchera pas, quoi. C'est quoi ce bordel? Quel est... Coucou Wendo, merci à toi pour ton follow. Vous savez, le j'adore rire de notre ami, je sais plus quoi, à présent, qui présente L'amour est dans le pré. C'est exactement ce que j'ai envie de dire maintenant. Non mais... Coucou Wendo. Oui, j'adore mourir aussi. Elle a dit j'adore rire. Là, moi, je ne ris pas. Là j'ai envie de... Vous voyez ce genre de bug dans les Sims qu'il y a? Genre, tu mets un mur, tu sais pas pourquoi, ça te enlève des objets. Là, moi, ça me les enlève. Enfin, ça me les surélève. Ça n'a aucun sens. Puis ce sol est si moche. Vous me rappelez pourquoi j'ai voulu faire la maison des Solis? Je suis un peu ravagé, moi, dans ma tête. Hein. Oui, Noxy, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tu me déranges pour une raison valable. Je me suis occupé... Enfin, j'étais malade pendant 4 jours. Pendant 4 jours, t'as dormi avec moi. Ça va... T'as dormi toute la journée. Bah oui. Hein. T'es un fou, mais ça... Moi ? C'est le jeu qui est fou. Hop, je sens que je vais acheter un vrai modèle pour m'entraîner. Et m'entraîner sur mes potes fées, surtout. Ah bah, il faut, hein. Et coucou, du coup, Wendo, j'espère que tu vas bien. T'arrêtes pas au CAP, faut faire un brevet professionnel. On trouve plus facilement du boulot. Après, trouve un patron, c'est pas facile. Ah, t'entends avoir des refus. Pas de réponse. Mais c'est quoi ces bottes, là, ce soir? Oh, ça faisait longtemps. Alors, attendez. Les petits bottes. On n'est plus tranquille. Est-ce qu'un des modos peut bannir les bots, s'il vous plaît, qui sont apparus sur le chat? Merci. Parce que je peux pas le faire depuis le... ma fenêtre. Merci beaucoup. J'ai mes vacances du 11 au 21. Ce sera... Alexia, t'as levé le ban et tu l'as remis, ça va. Je vous laisse les copains, bonne soirée, pas de soucis chatan, merci à toi d'être passé. Repose-toi bien. J'aime beaucoup les Solis, mais la maison elle est dégueulasse des Solis. Et je pense que ça me saoule tellement que... Voilà. Les Sims ont eu raison de moi. Par contre,
Sans vous mentir, la tronche de la salle de bain, ici, clairement, c'est cette couleur-là. Je ne penserai même pas un jour utiliser ce papier peint tellement qu'il est moche. Même pire, c'est celui-là. Il va y avoir les meubles ici, donc ça se verra pas, heureusement. Et alors, tenez-vous bien, si vraiment je prends note de l'exactitude du truc, ça va absolument rien dire ce que j'ai dit. Pour suivre vraiment ce qu'ils ont fait, ils ont fait ça. Donc là, il y a un miroir blanc au milieu. Alors qu'il y a double vasque, hein. Donc il y a une vasque ici, une vasque là. Et ici, il y a un miroir noir, et là aussi. Littéralement, c'est ça. Et ici, il y a une vasque. En vrai, j'étais con, j'avais juste à mettre celui-là. Voilà. Et là, il y a un meuble entre... Il y a une table, en fait, entre les deux. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver une table à mettre là. Ou pas une table, mais une étagère. Viens là, toi. L'évolution best étagère du monde, dans les Sims du moins, elle peut tout faire. Et tout sauver. Alors, par contre, je veux bien faire des efforts, les Sims, mais faites-en aussi. Je ne veux pas être le seul à me battre. Merci. Ah. Par contre, ce que l'on va faire, c'est est-ce que si je fais ça, c'est choquant? Non. Ça rentre un petit peu, j'avoue, dans le miroir. Mais est-ce qu'on n'est pas habitué à ce que ça fasse ça? Ah, c'est mieux. Et coucou, Oshiwaki, comment vas-tu? Ça faisait bien longtemps. Oui, ça faisait longtemps, comment tu vas? Je suis même pas sûr que tu te souviennes de moi. Je me souviens vaguement de ton pseudo. Donc, si. Je me rappelle pas du tout comment elle était. Ah, j'ai pas. Attendez, j'ai raté plein de trucs. C'est vrai que les bots, c'était réel. Ah non, non, c'était pas ça. Il était tempo ban. J'avais pas le bouton. Ban def. Bah, en fait, si, il était ban def parce qu'en fait, tu as pas vu, mais Julie l'avait fait quelques secondes avant toi. Après, ça veut rien dire. Tu va prendre confiance en toi. Et c'est pas parce que t'es en échec scolaire que tu... Ah, j'ai pas vu la suite. Attends, j'ai pas vu le message. C'est différent une fois que tu apprends un métier qui te plaît. Ma sœur a jamais été très scolaire. Mais une fois dans les études, quand tu te plais, tu as plus envie. Attends, j'ai raté un message. Mais oui, Océane et... Alors, vous pouviez pas le chat, hein. Et Spicy, si vous voulez discuter de ça plus aisément et tout, n'hésitez pas à passer en privé l'un et l'autre. Non pas que vous polluez le chat, hein, mais c'est vrai que c'est plus simple pour vous suivre la conversation. J'ai été en échec scolaire pendant presque toutes mes années au collège. Et j'ai manqué de confiance en moi. Bah, j'ai été en échec, j'étais en échec pendant un temps. Après, c'est des choses qui se travaillent. C'est pas tout le temps que ça dure. Heureusement, hein, y a... ça change avec le temps. Heureusement. Vous me direz, ah, mais attendez. On va changer. Hop là. Ça change avec le temps. Et en effet, généralement, quand on arrive à trouver la bonne formation, ou le truc qui... Vraiment, une formation qui vous fait kiffer, en général... Vous pouvez avoir de meilleures notes. Après, il faut aussi savoir que ça va dépendre du type d'enseignement, de comment est-ce qu'on vous enseigne les choses, puisque, voilà, on n'est pas tous faits de la même manière, on n'apprend pas tous
de la même manière, bien qu'on pourrait vous faire sous-entendre le contraire, qu'on devrait tous apprendre de la même manière, non, le cerveau humain n'est pas fait de la même manière pour tout le monde. En effet, il est, pas dans la grande majorité, mais il y a un modèle type, si je puis dire, et encore modèle type, c'est un peu bizarrement dit, mais la plupart des gens apprennent d'une certaine manière, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je sais que, par exemple, pour apprendre à lire, ma maîtresse au CP a dû apprendre d'une différente manière avec moi. Et parce que moi, clairement... Et en fait, moi, il me fallait me démontrer la logique de ce que tu m'expliquais pour que j'arrive à le comprendre. Parce que pour moi, tu me dis d'apprendre par cœur une chose, je ne l'apprendrai pas. Je n'arriverai pas à l'apprendre parce que je ne comprendrai pas l'intérêt qu'il y a à juste de savoir répéter par cœur une leçon. Tu me dis le pourquoi du comment ça te sert, il n'y a pas de souci, j'y arrive. Tu me dis pas à quoi ça sert, mon cerveau n'arrivera pas à l'intégrer parce qu'il ne va pas comprendre l'intérêt. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais compris les maths. Les maths, j'ai compris tout ce qui était addition, multiplication, division, etc. Et le jour où il y a commencé à avoir des lettres, et je n'ai vu aucun intérêt, et qu'on n'a jamais su m'expliquer, et même quand on m'a expliqué l'intérêt qu'il y avait pour ces types de mathématiques, je suis en mode, ça ne sert à rien, j'ai jamais réussi à apprendre les maths. Même avec de la volonté, tu vois, en essayant de passer au-dessus, c'est mon cerveau qui ne comprend pas. Alors c'est vrai que je vais rentrer, mais en fait, quand j'utilise le mode tool, vous ne voyez pas ce que j'écris, parce qu'il y a la maison des Solis dessus. Rotation. C'est bien au bout du troisième ou quatrième live, je sais plus, du mode tool que je m'en rende compte. Je savais que c'était 0,3. Oh non! Ça choque si je laisse. Oh, ça choque pas. Voilà. Vous voulez dire quoi par échec scolaire? Un décrochage, phobie ou de mauvaises notes? En vrai, je trouve que échec scolaire, c'est ça veut tout et rien dire pour moi, échec scolaire. Et puis c'est surtout très péjoratif en général quand on dit échec scolaire. Je pense qu'il faudrait trouver un autre mot pour que ce mot échec scolaire qui est super, super violent. Je sais pas trop comment l'expliquer. Par contre, je crois que c'est pas une blague. En fait, j'avais à ma précédente... C'est quand même ouf, hein. J'avais l'impression d'avoir les oreilles bouchées depuis un sacré bout de temps, où j'avais l'impression de moins bien entendre. Mais là, j'entends tous les sons d'une puissance, alors que je serais à regarder ma barre de son, là. Ma barre de son est totalement normale. Je n'arrête pas de baisser le son de tous mes appareils depuis plusieurs jours, là. Enfin, depuis que je suis tombé malade. J'ai l'impression d'avoir retrouvé de l'audition en tombant malade. Oh, j'avais oublié que ça fait ça. Je vais éclater ce body jeu. Eh ben, tant pis. Je ne ferai pas ce que je voulais. Tu t'es débouché visiblement. J'ai abandonné les maths en quatrième parce que les puissances, j'étais en galère et ma prof était pas cool du tout. Je comprends. Quand je me suis dit que je suis nul dans une matière, c'est que j'ai vraiment eu un 0 en espagnol. T'as eu 0 en espagnol? J'ai eu 20 en espagnol. En maths, j'avais entre 6... Allez, entre 2 et 6 de moyenne. 8. Une fois, j'ai approché les 8. Il y en a un au collège, on parle beaucoup de décrochage scolaire. Ouais, mais après, je trouve qu'on met un peu tout le monde dans le même panier avec le décrochage scolaire.
les deux tiers de ce qu'on nous apprend à l'école ne servira jamais. Alors, ça dépend de ce que tu entends, parce qu'il ne servira jamais. Pour moi, les maths, les trois quarts des trucs qu'on apprend en maths ne serviront pas. Par contre, tout ce qui est histoire, géo et tout, pour moi, ça s'appelle de la culture générale. Et pour, alors, allez pas me dire que savoir calculer l'hypoténuse du machin, du carré, du truc mûche, c'est de la culture générale, ça sert à rien. Personne va venir se la péter parce qu'il est capable de calculer l'angle d'un putain de triangle. À quel moment tu vas te dire ça dans ta vie? Sauf cet architecte. Dans la vraie vie, il peut t'arriver de te trouver devant un tableau, par exemple, et que tu connaisses le peintre, et ben c'est vachement intéressant que tu connaisses le peintre, tu vois, tout simplement. Ou quand tu vas dans un musée, de savoir de quelle époque vient le... Quand on dit ben, il vient de telle époque, ben, tu sais que ça vient de la Renaissance, tu vois, parce que tu te souviens de tes cours d'histoire. Ça, tu vois, c'est de la culture générale. Les maths, jamais... Enfin, c'est pas de la culture générale, les maths, pour moi. Juste l'équerre, le rapporteur et le compas. J'ai jamais utilisé de compas de toutes mes années. Pas compas, si compas un petit peu. Je faisais des rosaces et des fois, on faisait des cercles, mais c'était rare. Et le rapporteur, je n'ai jamais utilisé un seul rapporteur de toutes mes années de collège et lycée. Je déteste l'écho droit au lycée. Ah, j'ai eu de l'écho droit au lycée. Ah, tu me rappelles de mauvais souvenirs. J'avoue, l'écho droit au lycée, zéro intérêt. Après, ça dépend après ce que tu veux faire. Non, je suis méchant. Ça dépend ce que tu veux faire après. Après, bien sûr que les maths ont un intérêt. Attention, pour moi, ça n'en avait pas pour la filière que je voulais faire. Si bien sûr, vous voulez travailler dans les trucs assez hauts en termes de mathématiques, bah à ce moment-là, oui, bien entendu que ça va vous servir de savoir calculer l'hypoténuse, le machin, le truc. Mais moi qui voulais être infographiste à l'époque, je voulais travailler dans l'audiovisuel, ça ne me servait à rien. Et je le savais que ça ne me servirait pas. Des fois, j'ai un peu envie de dire qu'on serait bien d'avoir un peu un système à l'américaine, mais on sait que les Américains ne sont pas très fut-fut. Alors, il y a des gens très intelligents, mais on sait que le système d'éducation américaine, clairement, c'est pas du tout un des meilleurs. Mais des fois, je me dis que récupérer un peu leur exemple de sélectionner certaines matières, alors avoir un tronc commun obligatoire, mais au bout d'un certain temps, en fait, une fois que tu as appris tes bases en mathématiques, genre moi, clairement, une fois que j'avais mes bases en mathématiques, j'aurais abandonné les maths. Genre à partir de la cinquième, hop, plus de mathématiques, et je me serais concentré sur des matières plus intéressantes. J'aurais fait des matières consacrées à l'audiovisuel, par exemple. Ou à l'informatique. Et j'aurais pas perdu mon temps, parce que j'ai clairement perdu mon temps, et j'ai fait perdre le temps de mon prof, hein. C'est le cas au lycée aujourd'hui. Ouais, apparemment, c'est ce qu'ils ont fait au lycée. Tu peux demander, t'as des options ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que fait ce chat? Elle fait des trucs bizarres dans le couloir. Après, le seul hic avec ça, c'est que du coup, ça te laisse pas trop de chance pour te planter. Dans le sens où, par exemple, tu t'es trompé de filière. Merci, Fermine, pour toi. Merci à toi, j'espère que tu vas bien. Si jamais tu veux te réorienter, bah du coup, il va te manquer des matières. C'est ça le hic, il faut être sûr de soi. Je sors mon pseudo dans la discussion et gagne la convoiture. Ah pardon, j'avais pas vu. Tu parles à Spicy, j'avais pas vu. Tu as un tronc commun et tu choisis tes matières, mais le problème, c'est que ça fait disparaître les matières non principales, et surtout artistiques. Bah, c'est important qu'elles restent là, donc après, il faut juste qu'ils les mettent en place. J'arrive pas à décorer. Vous voyez que j'arrive pas à décorer cette salle de bain. La caméra, tu peux mettre le focus sur moi ? Je te jure, mes sorciers, avec cette musique, j'ai l'impression que mes muses sont annulées. Ça me met joie. Ah ouais? À ce bois-là. Donc, si tu veux faire danse, art, etc., il faut que tu fasses partie de... Part à l'autre bout de la région, parfois. Bah, ça, c'est le problème, c'est parce qu'en France, en fait, c'est tout nouveau, votre truc-là, le truc des options. Et il n'y a pas encore des trucs de danse, de machin, des trucs comme ça, qui ont été ouverts dans vos lycées. Je pense qu'en fait, c'est juste qu'ils ont fait ça à l'arrache. Enfin, c'est comme d'habitude avec le gouvernement. Le gouvernement, ils ont un peu fait les trucs à l'arrache. Et
ils n'ont pas donné les moyens, l'éducation nationale, enfin, dans le sens où le corps enseignant manque énormément d'argent, de temps et de mise à disposition de moyens et de moyens, etc. Pour mettre en place ce genre de choses. Parce que je suis sûr qu'il y a des profs qui veulent mettre en place plein de choses pour les élèves et même pour eux, tu vois. Moi, j'ai des amis qui sont professeurs et plein de fois, ils me disent « Mais moi, j'ai envie de mettre plein de trucs en place. » Sauf qu'on ne me laisse pas le faire. Soit on me dit « Il n'y a pas l'argent. » Soit « Il n'y a pas le truc. » Et on me met des bâtons dans les roues. Ils me disent « Mais voilà, on fait ça une fois, deux fois, trois fois. » Puis la quatrième fois, quand on n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues, et ben, on arrête. Et je peux pas blâmer les professeurs qui font ça, parce que d'abord, ils sont humains aussi, quoi. La demande des élèves n'est pas toujours la même. Et donc, les postes sont de plus en plus supprimés. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'après, les lycées, les gens feront des demandes pour aller dans certains lycées bien spécifiques, parce qu'il y a les options qui les intéressent. Merci, Thunder. Merci à toi pour le follow. J'espère que tu vas bien. Bon, je n'y arrive pas à cette maudite maison. Et coucou à toi et bon leur cache. Là, j'avoue, je suis en train de galérer. On va mettre cette magnifique plante, bien entendu. Noxy, arrête immédiatement de miauler. Tu n'as aucune raison de miauler. Je ne suis plus malade, donc je peux faire ce que je veux. Merci beaucoup, je prends ta maison, c'est gentil. Bah, en vrai, sur la maison de Desperate Housewife, on est en train de terminer la salle de bain. On aura déjà bien avancé, on a fait le salon, la salle à manger. Il reste encore l'entrée, ça, cette partie-là. Mais au moins, l'extérieur est terminé. L'avant de la maison, l'extérieur est terminé. Il faudra qu'on peaufine l'extérieur à l'arrière. Mais au moins, l'avant est terminé. Et je trouve que l'avant, par rapport à la photo qu'on a au-dessus de ma tête, est relativement ressemblant. Oh, merci, Brave Little Frog, pour ton resub. Je me posais beaucoup de questions. Je me demandais qu'est-ce qui se passait quand je ne voyais plus par ici. Merci beaucoup du coup pour ton resub. J'espère que tout se passe bien. J'allais ce week-end vous envoyer un message pour savoir un petit peu si vous alliez tous bien. Parce que j'ai plus trop de nouvelles de votre part. Voilà, en tout cas, j'espère que tout va bien. Ouais, ils vont faire des demandes, mais tous les parents ne peuvent pas financer les allers-retours à internat ou un loyer pour que son enfant aille dans un lycée avec l'aspect qu'ils veulent. Bah, je comprends. La plupart vont faire en fonction des lycées de secteur. Oui. Ça risque de frustrer plusieurs élèves. Et ça, est magnifique. J'ai trop envie de regarder la série. Ah bah, tu m'étonnes. Ça peut se comprendre. Zut. Ouais, je vais me coucher, bonne nuit. Pas de soucis, Spicy. Bonne nuit à toi. Alors, je vais essayer de décorer ça comme je peux. Comment on va décorer cet immense mur de salle de bain ? Ici, normalement, il est supposé y avoir une pièce à côté avec la douche et tout. Et là, je ne vais pas mettre une douche, ça va être moche. Un miroir. Bah, il y a déjà des miroirs ici. J'ai juste pas mis le reflet parce que j'ai un bug avec mes Sims. J'ai vraiment pas de chance. Et une télé devant la miroir. Il y a une télé devant la miroir devant la baignoire, pardon. J'ai le cerveau qui tourne pas rond aujourd'hui. Oui, donc est-ce que tu veux me montrer si tu veux que je te prenne dans les bras et quand je le fais, tu veux plus.
Calme-toi. Noxy. Noxy. Calme-toi. Bon. Voilà. Si vous voulez voir le chat qui nous embête très souvent, c'est Noxy. Noxy, doucement. Et coucou. Hello, désolé, la puce n'a pas été bien. Elle a fait une infection suite à la... Ah, elle a eu la Covid, oh mince. Bon, j'espère qu'elle va mieux. J'espère qu'elle va mieux, que tout se passe bien. Ça commencera juste plus tôt, c'est tout. En soi, les études supérieures, c'est comme ça depuis longtemps. Oui, mais bon, ce serait bien d'éviter qu'au lycée, tu sois déjà frustré, quoi. Ah, donc si. Attendez, parce que Noxy est littéralement sur mon clavier. Voilà. Pardon. Mais quelle boule de poil. C'est une grosse boule de poil, oui. Et alors, vous allez rire, ça se voit, enfin moi je le vois qu'elle en a marre que je suis en train de streamer. Parce qu'avec sa queue, elle arrête pas de faire des morceaux d'éventail comme ça pour me gêner. Bah oui. Et là, je suis sûr que tu essaies de trouver un moyen pour t'allonger sur le clavier. Bah oui. Et tu fais un câlin sur le micro, bah oui. Alors, bébé Noxy, elle a 4 ans. T'as 4 ans ? Oh, je crois que t'as 4. Oui, bon, chat. Ceux qui ont les moyens partiront dans le lycée qu'ils souhaitent. Les autres n'ont pas beaucoup de choix. Noxy... Non, mais peut-être des peignoirs. Ouais, ce que je vais faire, je pense. Mettre un peignoir, je vais mettre une armoire, peut-être. Ah, je viens de comprendre ce qu'elle veut. C'est la souris qu'elle essaye de choper. Enfin, le pointeur de la souris. Elle est trop belle. Elle ressemble au vieux chat de ma belle... c'est Noxy. Voilà. Elle a un côté roux et un côté tigré. Allez, vas-y, saute. Voilà. Oula, elle a éjecté la souris avec. Mon chat n'est pas très très habile. Hein. Elle arrive à tomber de la table basse et du canapé. Quand elle veut sauter entre les deux. Il y a 30 cm. Mon chat, il me trompe avec mes sœurs. Ah bah. Quand il y a d'autres humains dans la maison, forcément... Mais pourquoi cette musique, elle est tout le temps là ? Voilà. C'est vrai qu'on m'avait dit qu'il y avait une télé. Attendez. Appareil électronique, là. On va mettre celle-là, elle est un peu trop grande, mais on va la réduire. Déjà, ça occupe pas mal l'espace, c'est bien. Et elle, en dessous, on va mettre un... Ah si, j'ai une idée. On va mettre un petit guéridon. Ça fait très américain, en plus, de mettre une baignoire dans la salle de bain. Je valide. Et je vais trouver... Je crois qu'il y a un autre carrelage avec en effet marbre, mais avec des carreaux qu'on va mettre. Elle a l'air si douce. Elle est douce, Noxy. Ça, c'est vrai. Pour ceux qui arrivent à l'approcher et à lui faire des caresses. Saut de patate. Que je reconnais au bruit. Ah ouais, c'est un saut de patate, ouais. On est sur de la bonne patate, hein, pour faire de la raclette. On n'a pas ça chez nous, dit la puce. Ah, on fait un peu cliché américain ce soir. Bon, ça fait pas beau. Ça pourrait bien rendre. Du coup, le peignoir, il va plus très très bien. Bon, on va faire ça. Elle a avec des bougies.
La baignoire est pas surélevée normalement. Bah si, mais le problème c'est quand je fais l'espèce de d'octogone, bah c'est très moche. Ou alors je le mets là. Parce que le problème de surélever le truc, tu vas voir, hein, je l'avais fait à la base. On va faire ça avec des petits murs pour l'instant parce que. Ah, c'est que ça fait tout de suite un peu trop grand, quoi. Tu vois, là, déjà, ça fait trop grand. Ça fait ridicule. Et quand je le fais, bah, comme je l'avais fait de base, c'est-à-dire comme ça, on trouvait que la pointe, bah, ça faisait bizarre. Tu vois, l'espèce de pointe comme ça, ça fait pas beau. Ça fait tâche. Donc, on va essayer de trouver une solution. Même si on la met là, ça ferait bizarre. On va essayer de trouver une solution avec les carreaux. Et j'ai peut-être... Je vais peut-être avoir une éclair de génie. Avec toi. Ah ouais, mais non, parce que du coup, après, t'as les... Ah, il n'y a pas les barres transversales. J'aurais voulu le même, mais sans les crocs au milieu. En même temps, je demande toujours l'impossible dans les Sims. Mais ça serait tellement possible si on avait édité un style dans Animal Crossing. Dans Animal Crossing, non, pardon. Dans les Sims, oh là là. J'ai mon cerveau qui dit n'importe quoi. Mais... mettre les... Et bonsoir Pinkwood, je suis bonsoir, je viens d'arriver. Et si tu ne faisais que la moitié de la forme et l'autre, tu la fais droite. Comment ça? Parce que le problème c'est que j'ai, en fait, ce qui aurait été cool, c'est qu'on puisse faire une plateforme vraiment sur la moitié de la diagonale en fait, mais c'est pas possible. Tu peux même pas faire une moitié de toute façon avec une plateforme. C'est ça le hic. Ah mais si, attends, je viens de comprendre ce que tu viens de me dire. Ou alors ça se trouve c'est pas du tout ça que tu voulais me dire, mais en tout cas j'ai compris un truc moi-même. Par contre, ce que je n'aime absolument pas, c'est que ça, ça dépasse. Bon, là, c'est beaucoup plus éloigné que prévu, mais en vrai... Au moins, la baignoire est sur elle. C'est exactement ce que je me propose. Ah bon, voilà. Bon, j'avais mal compris. Enfin, j'avais pas tout à fait compris en lisant, mais du coup, finalement, j'ai quand même réussi à trouver. Grâce à te dire, je les ai mal interprétés, mais finalement, c'est ce que tu me disais. Sur la hauteur, dans un carré rectangle. En vrai, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Par contre, ça m'a enlevé ça. Parfait. Et puis bah là, on va rajouter... on va déjà changer le sol, comme j'ai dit. Et on est d'accord qu'il existe un truc de marbre. Bah, voilà, c'est celui-là. Ah, peut-être en gris. Ah, c'est mieux comme ça. C'est plus joli. Maintenant, on va changer le rebord. Merci, Pinkwood, du coup, pour tout. Merci à toi. D'ailleurs, si jamais tu veux voir un peu plus la maison de l'extérieur, par exemple, voici ce qu'on a fait dans les Sims par rapport à la photo qui est au-dessus de moi. Je trouve qu'on est quand même relativement ressemblant. Je me suis pas trop trompé, je trouve. Le principal, c'est de s'être compris. Exactement. Trop bien fait, bravo. Merci, Fauka. Merci beaucoup.
Merci, merci. Voilà. Tu as fait la cuisine? Non, j'ai pas encore fait. En fait, on a un peu mis en pause le rez-de-chaussée. J'avais envie de faire l'étage. Hop, éclairage. Mais il est déjà 21h44. Hein, on se laissera d'ici 20 minutes, je pense. Une vingtaine de minutes. Alors, je crois qu'ici, il y a un vieux chandelier. Enfin, pas un chandelier, mais un lustre. Un peu en mode comme ça. Mais genre sans les bougies, quoi. Et on n'a pas dans les Sims. Si, on a genre de trucs. Ce n'est pas très joli. Ah, puis alors, vous allez rire. J'ai encore la musique de Ne parlez pas de Bruno. Je n'en peux plus. La musique d'El Canto. Ce dessin animé me hante. Non. On va pas mettre ça. Et puis on va mettre un truc un peu plus moderne. On va mettre le même ici d'ailleurs. Celui-là je trouve. Ouais. Décidément. Je viens de tester pour la première fois les cloisons d'Animal Crossing. Un peu déçu. T'as essayé de faire. Toi, je comprends ça. Je pense que t'as essayé de voulu mettre des meubles dessus, ça n'a pas fonctionné. En vrai, les cloisons d'Animal Crossing, c'est très stylé quand tu veux faire certaines choses. Mais en effet, tu peux pas tout faire. Je vais vous laisser. Pas de soucis, Sam. Je vais faire un petit coucou à Cyril avant d'aller. Oh, Cyril est en train de stream. Je vais voir la raid après alors. Bonne fin de stream, Mister C. Et mine de rien, la salle de bain, elle est pas mal. Non, mais elle est très bien la salle de bain, je suis d'accord. Bah écoute, merci à toi. Et puis, bah, passe une bonne soirée. Petit coucou à Cyril. Je ferai le petit coucou à Cyril moi après de mon côté. Je pense qu'on ira raid Cyril après. Hop. Non, même pas, je voulais juste changer le papier peint. Tu peux changer le papier peint. Alors, il faut savoir que tu peux mettre deux styles de papier peint dans ta pièce. Tu peux mettre un papier peint entier dans toute ta pièce qui, du coup, sera automatiquement mis sur tes cloisons. Mais tu peux rajouter, normalement, sur un mur. Juste un seul mur, un autre papier peint. Donc ça, tu peux t'amuser, tu peux réussir normalement à caler des petits trucs avec ça. J'ai l'impression, depuis tout à l'heure, j'essaie de faire passer une musique et ça veut pas. J'ai une idée que j'ai oublié le PQ. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à SNH que je n'ai même pas testé la mage. Ah, quand même, oui, parce que la mage. En plus, la mage d'Animal Crossing, elle est vraiment stylée. Hein. Pour moi, c'était clairement ce qui manquait au jeu depuis très très longtemps. Non, ça c'est moche. On rajoute un petit tapis blanc. Sans vous mentir, je crois que c'est la première fois. La première fois de ma vie que j'utilise ces tapis. Attendez, j'en ai marre de la playlist là. Je sais pas ce qu'a fout la playlist, mais j'ai l'impression que j'arrête pas de lui dire de changer de musique et elle le fait pas. Bah, qu'est-ce que j'en... Bah oui, c'est ça.
Je sais pas comment expliquer, mais je pensais que les cloisons coupaient vraiment le mur. Et que donc, j'aurais pu changer de chaque côté. Ah ouais, non, pas du tout. Non, non, non. C'est pas fait comme ça. Oui, donc je peux comprendre du coup ta déception. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je pense qu'on va rajouter 2-3 autres plantes ici. Histoire de... Voilà, là, on va rajouter une bougie. Et je pense que pour la salle de bain, on aura terminé. Alors, ma montre qui estime que ça fait trop longtemps que je suis assis, elle me demande de me lever. Bah non. Ah, voilà. Je me lève la montre. Voilà. Je me lève. Bon, je vais vous laisser des bisous. Je dois aller manger. Pas de soucis, Anna. Merci à toi d'être passé. Bon appétit. Repose-toi bien. Et à demain, si jamais tu veux nous voir. Demain, on sera sur du Animal Crossing, les gens, d'ailleurs. Pour rappel, demain sera du Animal Crossing. Les bougies, c'est dans quoi, déjà? En fait, j'ai l'impression que le traitement que je prends, là, il me rend tête en l'air. C'est un truc de ouf. Au boulot, j'oubliais tout aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pareil. Bougie, c'est dans éclairage. En vrai, les bougies, c'est plus de la déco que de l'éclairage, je me dirais. Bon, mais bon. J'ai vu que tu étais membre de la team 404. C'est quoi exactement? Alors, la team 404, c'est une team de streamers Sims qui ont consolidé. Donc, à l'intérieur, il y a Moon, il y a Cyril, il y a Lucas également, il y a Febusa et JJTV également. Voilà. On est supposé vous faire un grand événement à un moment donné. On n'a toujours pas réussi à se caler une date. Voilà. Mais c'est prévu. Voilà, on avait fait un scénario, tout ça, mais... voilà, quand on arrivera à le faire, eh ben, on vous tiendra au courant. Mais voilà. Je ne peux pas vous en dire plus que ça pour l'instant. Tu as réalisé la maison en combien de temps? Alors, la maison en elle-même, la forme, on a fait quoi? 2 lives, je crois, donc on a fait 4 heures. Je pense. On enlève le temps de blabla, tout ça. Ouais, c'est ça. Je ne savais pas que tu étais en contact avec Lucas. Si, en fait, j'avais raid Lucas... une fois, je crois, ou deux, avant que sa chaîne Twitch et TikTok explosent. Parce qu'en fait, Lucas a eu... fait beaucoup de contenu et est très intéressant. Oh, merci Aurélien pour ton raid. Merci, Bex. J'espère que tu vas bien. J'avais raid Lucas à l'époque, peu de temps avant que sa chaîne explose de TikTok. Et voilà, et puis bah comme ça c'est un streamer Sims et tout, ouais, mais si, je le connaissais. Et comment s'est passé ton live, Aurélien? Sur quel jeu étais-tu? J'ai commencé à vous regarder en même temps, c'est super marrant. Bah, voilà. On n'a pas du tout le même style de gameplay. Moi, je suis que dans la construction, c'est très posé, on discute beaucoup. Chez Lucas, c'est un peu plus speed et un peu plus sanglant. Et lui, c'est plus du gameplay, forcément. Ouais, écoutez, moi, je pense que cette salle de bain, elle est très bien. Et on va la laisser comme ça. À merveille, 15 personnes sur mon live, je monte petit à petit. Et ben, en fait, c'est trop, trop cool, Aurélien. Ben, félicitations à toi, petit GG. C'est très très cool quand ça augmente. Très très cool. Hop, les petits GG. Voilà. Oui, clairement, c'est très différent. C'est très agréable de pouvoir switch entre les deux. Bah oui. Alors, sache que tu peux également... Alors, c'est un peu... je sais plus comment on fait. Mais tu peux faire du multi-stream. C'est-à-dire que tu peux avoir sur ta fenêtre Twitch les deux lives en même temps. Alors, le hic de quand on fait ça, c'est juste que je crois qu'il y a les deux sons en même temps. C'est juste que t'en baisses un quand tu écoutes l'autre et tu fais inversement, voilà, tu switches comme ça. Mais c'est un truc que tu peux faire.
Bon, là, j'avais dit qu'il fallait que je remette le. L'arrière de la maison, il n'est pas encore fait. Hein. Hop. Bon, au moins, on aura réussi cette maudite chambre de Gabi. Et il était temps. Maintenant, la chambre des enfants. Alors, la chambre des filles, je crois qu'on l'a littéralement jamais vu, la chambre des gamines. Ou alors, j'ai aucun souvenir qu'on les ait vues. Donc là, on va partir sur du cliché. On va partir sur chambre violet et rose, je pense. On l'a vu une fois. Ah ouais? Bah écoutez, tant pis. Ouais, après, je ferai pas ça avec... Attends. Je ferai pas ça avec le live de Lucas, par exemple. Pardon. Parce que... dans tous les sens, si tu regardes pas... Oui, c'est ça, oui, bah oui. Parce que... Mais oui, forcément. Tu rates, si tu regardes pas, si tu regardes pas tout le temps le live de Lucas, si, tu peux rater 3 morts. C'est tout Rose Princesse. Bah voilà. Est-ce que tes créations sont disponibles dans ta galerie? Oui, Pinkwood. Oui, 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 tout est sur ma galerie, Mister C1 qui s'affiche juste ici. Et là, je vais commencer... Enfin, alors avant, il faut savoir que je fais aussi la rénovation des mondes. Quand jeu de base, plus jeu de base, je crois qu'on a les liens à Baldaquin. Bah, j'en ai mis un. Ah, attendez, ça bug à chaque fois, faut que je quitte et que je revienne. Ah, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Quitter la galerie et on revient. La galerie est cassée. Et coucou Johanna, comment ça va? Je pense que la galerie est cassée. Et dites-moi que la galerie est cassée, les gars. Parce que là, sinon, ça veut dire que j'ai la moitié de mes créations qui ont été supprimées. Oh, c'est bon. J'ai eu peur. Et j'ai quand même eu 33 téléchargements. Hein. Et genre, télécharger mon Sims. Mon Sims Self. Voilà, donc là, il y a toutes mes créations que j'ai faites pour les rénovations des mondes, notamment. Il y a des challenges aussi qui se baladent de temps en temps. Voilà, et si on descend tout en bas de ma chaîne, enfin de ma chaîne, de ma galerie, vous avez des créations que j'ai faites pour qui ressemblent à des vraies constructions. Ici, nous avons le Phantom Manor de Disneyland. Là, nous avons le mythique manoir de Charmed des sœurs Halliwell. Ça, c'était une construction. Ça, c'était le challenge de Cyril. Vous voyez, c'est pas compliqué. J'avais participé à un challenge de Cyril. Je connaissais Cyril d'avant en tant que viewer. Et je crois que c'est pas compliqué. J'ai raid Cyril pour la première fois quand elle faisait sa présentation, je crois, avec Itsuyoji du challenge, du Shell Challenge. Je crois que c'est comme ça que Cyril m'a connu. Je vous laisse à demain. Pas de soucis, Mizuki. Pas de soucis, pas de soucis. Eh bien, toi, bah, écoute, ça va. Ça va, ça va. Oui, c'est mon Sim Self, je l'avais partagé pour j'ai perdu le nom du streamer, oh la honte. Il y a un streamer qui cherchait des Sim Self et du coup j'en avais un de fait. Enfin, j'en ai un depuis des années. Et du coup, bah, je l'ai partagé. Voilà. Bah du coup, je pourrais dire à Cyril que je sais maintenant quand est-ce qu'elle est arrivée sur ma chaîne. Parce que si je dis pas de bêtises, je crois que Cyril a follow ma chaîne le 21-03, le jour où j'ai mis ça dans la galerie. Voilà, ici par exemple, nous avons le 4 private drive que j'avais fait. Là, alors là, ça se voit pas. Mais il y a les appartements de Big Bang Theory là-dedans. Ici, il y a l'appartement de Sheldon. Et là-bas, il y a l'appartement de... C'est chiant qu'on n'a pas d'autres photos. De... Penny. Là, on a les appartements de Friends. Pareil. Là, on a l'appartement de Monica. Là, on a l'appartement de Joey. Merci, juste moi. Voilà. Merci, juste moi. T'es devenu ta copine maintenant, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
Et merci parce qu'on on est à 3967 followers sur la chaîne. Alors on n'arrivera peut-être pas aux 4000 à la fin du mois, mais on y arrivera du coup en février. Puisque vous savez qu'en février, ce sera les 1 an de la chaîne. Et en vrai, si on arrive pour les 1 an de la chaîne à avoir les 4000, en vrai, ça me va. En vrai, ça me va. Coucou, ça va. Bah écoute, ça va. J'étais en train de montrer un petit peu mes constructions. Ici, on avait fait la maison des Simpsons. Vous m'avez demandé de faire la maison des Simpsons. Je l'avais faite. Alors clairement, c'est pas une construction que j'apprécie réellement, mais elle est ressemblante. Voilà. Merci, MC Rémi, pour le follow. Merci beaucoup. Ah oui, j'ai fait la maison de Freddy Krueger. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ici, nous avons la maison de Malcolm, qui est juste là. Là, j'ai quand même 86 téléchargements. Maison de Malcolm. Alors, celle-ci, elle nous a donné du fil d'artoile. Et j'ai même fait le bunker qu'on voit dans un épisode. Voilà, et là, j'ai essayé de faire au maxi, au plus ressemblant. Et en vrai, je trouve que la maison, elle est quand même très ressemblante par rapport à la série. Voilà. La mythique maison de Suzanne Mayer dans Desperate Housewives. Voilà. Il y a tout à l'identique, sauf l'étage. Parce que l'étage, bon, voilà. Mais le rez-de-chaussée est à l'identique. Je crois que j'avais pas parlé de toi à Cyril. C'est pas comme Dune et Cyril que j'ai forcé à se parler. Maintenant, elles sont inséparables. Mais on avait parlé de Cyril à un live et tu la connaissais déjà et tout. On parlait de ses événements, challenge qu'elle faisait avec les streamers. Je crois que tu l'avais découvert comme ça ou un truc du... Pas du tout. Je connais Cyril bien avant ça. En fait, avant, j'étais un viewer avant d'être streamer et je suivais beaucoup les streams de Sarangon. Donc j'étais tout le temps sur ses lives. Et il a raid plusieurs fois Cyril. Et j'ai très vite follow Cyril. J'étais souvent viewer de l'ombre. Parce que de base je suis un viewer de l'ombre. Et du coup voilà, j'allais tout le temps. J'allais de temps en temps chez Cyril dès que j'avais du temps. Et puis après quand j'ai commencé à streamer. Et le jour où j'ai streamé du Sims. Et bah du coup je me suis dit ah faut trop que je raid Cyril. Et le jour où j'ai raid Cyril bah voilà. Donc voilà. Ici, c'était l'appartement de Ted Mosby de How I Met Your Mother. Oh, j'ai pas regardé l'épisode hier de How I Met Your Father. Faut que je le fasse. Alors, ça se voit pas, mais ici, il y a l'appartement à l'identique de How I Met Your Mother. Qui, spoiler alert, est possiblement dans How I Met Your Father. C'est possiblement. J'en dis pas. Alors, j'ai fait également un peu plus loin. Alors, elle est un peu cachée. J'ai également fait la ferme des Kent dans Smallville. Mais je sais plus où elle est. Bah, elle est où? Où est-elle? Là. J'ai fait la ferme des Kent dans Smallville. Alors, celle-ci, on a mis du temps. On a mis du temps. Mais rien que de la revoir, j'ai la musique de... je sais plus le titre. J'ai perdu le nom. Mais j'ai le titre de Smallville. Voilà. Et ça, c'était avant que... le kit, enfin le pack vie à la campagne sorte. Parce que sinon j'aurais fait un truc encore mieux. Mais là, clairement, voilà, j'avais tout fait. Qu'est-ce qu'on avait galéré à mettre tous les trucs, là, je me souviens. Alors que maintenant, il y a quand même un objet qui fait les bottes de terre. Voilà. Mais ça m'apprendra à faire la maison de Gabi. Parce qu'en vrai, je suis trop bête. J'aurais dû faire la maison de Linette. Parce que la maison de Linette, elle est trop simple à faire. Enfin, je dis ça, attention. Je vais te dire ça, quand je vais la faire, je vais pleurer. Parce qu'il y a 3 millions de chambres à faire avec ses enfants. Mais la maison de Linette, tous les meubles sont blancs. Et tous les murs sont bleus. Donc, ça va être un peu monotone. Mais quand on devra faire la maison de Linette, bah franchement, ça ira. Celle pareille, celle de Brie. Celle de Brie, c'est typiquement les meubles qu'il y a dans les Sims. Donc, ça ira. C'est juste celle de Gabi. Qu'est-ce qui m'a pris de faire la maison de Gabi? Ta voix, elle est déstressante. Ah, tu trouves? J'aime. Alors, moi, je dis tout le temps ça, mais j'aime pas ma voix. Mais après, comme beaucoup de gens n'aiment pas leur voix. Mais tant mieux si vous l'appréciez. Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas ma voix. Elle est chou, la maison de Linette. C'est ma maison préférée, celle de Linette, je pense. J'aime beaucoup celle de Suzanne. Mais j'avoue, celle de Linette, je l'aime bien aussi. Ça serait typiquement ma maison, elle serait toujours en bordel.
Alors après, dans la forme, je préfère la maison des Applewhite, qui après est devenue la maison de Bob et Lee. Ça a une tour, vous avez compris pourquoi. Ok. Alors, je pense que la pièce la plus ressemblante, ça va être la salle de bain. Alors, ouais, alors. Ah, quand on zoome, c'est très moche le papier peint. T'existes en une autre couleur que marron dégueu, là? Dis-moi que oui. Parce qu'en vrai, je crois que c'est un peu plus blanc. Par contre, ici, c'est marron. Ah, je préfère. Il faut que je fasse une miniature pour la miniature. Sauf que ça ressemble pas à la salle de bain des Solis, là. Est-ce que la chambre en vue premier plan, ça y ressemble ou pas? J'ai un peu peur qu'on... Ah, comme ça, à la limite. Ah. Bon, on va tenter. On va faire une miniature comme ça sera un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. On tente. On tente des choses. Hop. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On aura un petit peu avancé ce soir, mine de rien, quand même, hein. On aura avancé. On aura entièrement fini la suite parentale. Je pense que demain... Ah non, demain, on fait pas de live sur les Sims. Demain, on sera sur de Animal Crossing. Donc, la semaine prochaine, quand on fera les lives sur Animal Crossing... oh, putain. Sur les Sims, je vais y arriver. On terminera l'étage, hein, parce que ce sera rapide, et on continuera du coup le rez-de-chaussée. Alors attendez, ne quittez pas tout de suite, puisque je vais faire le petit raid, et c'est toujours bien de rester jusqu'au raid. Hop. À savoir que vous allez avoir un nouveau défi de la communauté qui va pas tarder à arriver, je vous le dis. Donc il va falloir économiser les points de chaîne. Sachez que si vous participez au raid, vous gagnez des points de chaîne. Il faut rester. Voilà. Hop. Je vais couper le son de cette musique. Voilà. Et on va passer en blabla. Voilà. Et j'envoie chez la copine Cyril. Du coup, merci à tous d'avoir été là ce soir. Ça fait super plaisir, encore une fois, de vous avoir retrouvé après le travail. Bon, je me suis bien amusé, maintenant que je ne suis plus malade, etc. C'était un grand plaisir de vous retrouver ce soir. On aura un petit peu avancé, on aura beaucoup discuté, c'était super cool. Merci du coup à la rediffusion également de YouTube d'avoir regardé cette rediffusion. Sachant qu'en plus, je vois que les rediffusions de la maison de... Enfin, des lives de rénovation de la maison des Solis vous intéressent. Je vois qu'il y a beaucoup plus de vues dessus en ce moment. Mais donc voilà, en tout cas merci à vous de regarder la rediffusion YouTube. N'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'a pas été déjà fait à la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup. Pour ceux du coup, comme je vous disais, à ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à rejoindre le raid chez la copine Cyril. Vous mettez un petit coucou et un petit Pikachu ou le petit emote avec ma tête dessus. Si vous êtes sub à ma chaîne, ça fait toujours plaisir quand vous faites ça en arrivant. Mais donc voilà, en tout cas, reposez-vous bien, passez une très très bonne soirée. On se retrouve demain à partir de 19h30 sur du Animal Crossing pour la suite de la rénovation de mon île, puisqu'on aura bien, avancé. Mais donc voilà, passez une excellente fin de soirée, reposez-vous bien, bon courage pour demain. C'est bientôt le week-end en plus. En milieu de semaine, mais c'est quand même bientôt le week-end. Mais voilà, passez une très très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye tout le monde.